Et salut tout le monde! Et j'ai 2 minutes d'avance, incroyable! Comment allez-vous aujourd'hui? Alors du coup, il est 17h58, nous sommes le 11 janvier, n'est-ce pas? Et on est parti pour 2 heures de stream ensemble. Alors du coup, je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Je sais pas pourquoi Lumantis a tweeté aujourd'hui que c'était on the road to Challenger, parce que c'est pas forcément vrai. Mais bon, du coup, on va vous laisser le choix. Enfin, je vais vous laisser le choix sur savoir ce qu'on fait. Soit on peut continuer sur du coaching comme on fait d'habitude, ou voilà, je smurf sur différents hélos, j'essaie de vous montrer un petit peu ce qui peut être bien, ce qui peut être pas bien. On peut voir ce qu'on peut faire également si vous voulez du ladder diamant, si vous voulez du ladder platine, etc., etc. Donc du coup, pour ça, je vais vous faire un petit straw. Comme d'hab, pendant que je rédige les straws, parce qu'il me faut 10 ans vu que je suis un gros noob là-dessus, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous recommander de poser vos questions comme d'hab, donc à savoir les problèmes que vous avez en solo queue, etc., etc. Et puis on va discuter un petit peu pendant 5 minutes tranquillement, et puis on va enchaîner. Hop, alors le straw, non, ça s'écrit pas comme ça. Hop. Donc le choix, plate 2, plate 5, gold 5, merde, il y a un T à diamant, diamant 4, hop, voilà. Alors, tout, hop, voilà. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Je sais pas combien est-ce qu'on est sur le stream, on est 240 déjà. Alors, quand on joue Blitz en maîtrise, on prend quoi et quoi comme rune? Alors, ça dépend de ton niveau. Moi, ce que je fais personnellement quand je joue Blitz, et ça marche jusqu'en platine, même en diamant. En diamant, ça marche aussi, je vais te montrer. En fait, il y a deux pages dont je me sers sur Blitz. Je change juste de compte parce que j'ai pas toutes mes runes sur mon smurf. Hop. Très possible, Aksha. Très possible. Alors du coup, pour Blitz, au niveau des runes, la runance du Blitz, c'est celle-ci. En gros, de l'armure, plein d'armure, parce que Blitz, en fait, t'as pas spécialement besoin d'AD ou autre chose, c'est très bien l'armure. Des PV, plein de PV pour être tanky, de la résistance magique, plein de résistance magique pour pouvoir tanker, et des 4 sens de vitesse de déplacement pour courir super vite et pour hooker les gens. Voilà, tout simplement. Et après, en maîtrise, il y a deux pages dont je me sers. Non, c'est pas celle-ci. Alors, il y a celle-ci. Donc, en 0, 0 points d'offensive, parce qu'on n'a pas besoin de dégâts sur le but. Un hook suffit généralement. 21 pour tanker comme un fou. 9 en utilitaire pour avoir la move speed et la régène. Sinon, je sais plus si je l'ai encore. Oh, je l'ai plus. Oh, j'ai plus ma page beat. Sinon, je prends du 0, 9, 21. Voilà, comme vous voulez. En gros, la différence entre le 0-21-9 et le 0-9-21, c'est que sur la deuxième, vous allez être beaucoup plus mobile en hors combat et avoir plus de gold. Sur la première, vous êtes très très tanky. Alors, un conseil concernant les runes de Kha'Zix Jungle, j'ai un peu de mal en early, je pense que ça vient des runes. C'est pas spécialement dû à tes runes, c'est juste que le personnage est pas fou, en fait, tout simplement. C'est un des persos qui profite le moins de la nouvelle jungle. Alors pour Kha'Zix en rune, moi je me servais, ce que je le joue plus maintenant, parce que du coup en fait je trouve que c'est pas terrible, je me servais de ça. Marque AD, quinte AD, CDR en glyph et DPV par niveau avec de l'armure. Voilà. Alors ensuite, que faire si je suis fed et que ma team ne suit pas du tout? FF, non je plaisante. Bah ça dépend de ce que tu fais. Tu peux split push si t'es en platine. Tu peux essayer de juste te défendre. Tu peux attendre que tes coéquipiers engage. Tu voilà, etc. N'hésitez pas à prendre des screenshots. Hein. Des screenshots. Et alors la page en 0-21-89, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est qui les persos qui profitent le plus de la nouvelle jungle? Bah tous les personnages avec un gros sustain. Warwick, Xin, Fiddlestick, Elise, Lucine passe toujours, etc., etc. Que fais-tu si t'en supportes, t'en as les carry, prends une fight en 2v2 avec un ou deux levels de retard, tu le suis ou t'essayes de prendre au moins un kill ou tu le laisses die? Moi je le laisse mourir et je rigole. Et je taunte. C'est possible. Voilà. Pourquoi? Parce que... Enfin ça dépend de ton niveau. Non je rigole, hein, je suis pas comme ça. Mais en fait en général en solo queue, si vous n'êtes pas en duo avec la personne, si vous voyez que le mec il prend un trade et vous êtes sûr de vous, vous savez que le trade est mauvais, vous savez qu'il n'y a aucun moyen de contrebalancer son trade pourri, vous le laissez. Si vous pensez qu'il y a un moyen, go.
Alors t'hésites entre avoir plus de champions ou plus de runes, que choisir? Ça dépend de ton niveau de runes, ça dépend de ton niveau de champion. Moi ce que je te conseille c'est qu'à partir du gold, il faut une petite dizaine de pages de runes. Complète et bien faite. Après toi qui vas. Salut, je suis en gold, je main support et je joue beaucoup très chez Morgana. Tu me conseillerais qui après? Des supports qui tapent, des supports à la Karma, des supports au Vel'Koz, ce genre de choses. Alors attendez, je regarde si vous avez voté un petit peu sur le Stro. Eh mais go voter encore là hein. Votez. Merde. Votez. Tu penses quoi de la jungle en early Ellie quand je vois mon jungle level 4 alors que je suis niveau 6? Je me demande s'il n'y a pas un souci par rapport à ça. Que penses-tu? Je ne parle pas si bien gank, le gank n'est pas rentable. En fait c'est normal Guardian. En fait vous allez XP très très vite pendant les 3 premiers niveaux en jungle. Et après c'est normal que ça ralentisse par rapport au laner. Parce que vous êtes obligé de faire un back en fait. Alors que le laner n'est pas forcément obligé. Donc c'est complètement normal. En gros il faut que votre jungler soit niveau 6 au plus tard à 9 minutes. S'il n'est pas niveau 6 à 9 minutes c'est qu'il y a un problème. Rune pour jungle sur un AD comme Shaco ou Panthéon? Alors, je te montre ça. Donc Panthéon c'est la même que pour Kha'Zix. Shaco, est-ce que j'ai la page Shaco? Oui! Alors moi je joue ça sur Shaco. Marque AD, Quinte AD, Glyph AP, parce que Shaco a des très bons ratios AP, et les PV et l'armure en saut. Quelle rune pour Lee Sin? Les mêmes que pour Kha'Zix également. C'est quoi l'utilité de le voir jouer gold plutôt que diamant? Bah c'est pour vous montrer un petit peu les trucs à faire et les trucs à ne pas faire en gold. Voilà. Est-ce que je pourrais t'aider avec Shen? Bah faut que tu me poses une question un peu plus précise que ça, Mick 2002101. Voir plus de nous pour rigoler. Ouais, pourquoi pas. Salut, je trouve un battle en jungle en tout point, on peut le jouer avec toutes les runes qu'on veut, il sera fort. Pourquoi n'est-ce pas joué? C'est ton hyper champion. Alors c'est pas ton main quoi, c'est ton hyper champion. Ok, pourquoi pas. Pourquoi est-ce que c'est pas joué? Parce que il y a certains personnages contre qui c'est hyper mauvais. Par exemple, vous tombez contre une composition d'équipe qui kite, une nuit il fait rien. Par exemple, vous lui mettez, je sais pas, un Ezreal dans les dents, un Corki, votre nuit servira à rien du tout. Plutôt ou Garden ou Lef avec des croque-monsieur, plutôt une Lef. Pourquoi? Parce que le croque-monsieur est un satureur de papilles, vu que c'est quelque chose qui est très salé, et donc il faut une bière un petit peu forte, et la Lef est plus forte que la ou Garden. Boum! Qu'est-ce que tu vas faire, ma gueule? De la paix sur Shaco, c'est sûr que c'est worse. Et bah écoute, Opacti, je t'encourage à aller regarder les ratios AP de Shaco. Tu vas voir que le ratio sur la boîte, il est énorme. Il est supérieur à 1. Le ratio sur la dague, il est à 0.8 ou 1, je sais plus, j'ai entre les mains. Et sur le clone, il est à 1. Donc en fait, ça permet de clean très vite. Et ça permet également de faire très très mal en gank. Non, pas de résistance magique. Non. Parce que Shaco, c'est un personnage all-in. En fait, le but du jeu, c'est de prendre des kills. Donc je prends tout ce que je peux avoir comme dégâts. Quand je joue team au top, je sais jamais comment gérer mes champis en plein milieu, genre sur les sbires, sur les bords de la jungle. Quelle stratégie, à quel moment de la game? Non, c'est pas une question foireuse de gagne, t'inquiète pas. Alors, pour les champis de Teemo, ça dépend. Ça dépend si tu es en défense. Si t'es en défense, je te conseille de mettre des champis derrière tes sbires pour te protéger si jamais tu fais go. Si t'es en position hyper agressive, je te conseille de garder toujours un champi sous tes fesses au cas où. Et après d'aller mettre des champignons un petit peu partout dans les bouches et dans la rivière. Et en fait, plus tu vas avancer, plus tu vas faire push line, plus tu vas poser de champions un peu partout. Faut-il des grosses mécaniques pour Irelia et peut-on carrer avec? Oui, on peut carrer avec, et oui, il faut des mécaniques qui sont quand même costauds. Et qu'est-ce que je prends sur Irelia? Je prends... Faut que je la trouve. Elle est où? Là! Voilà, boum, je prends ça sur Irelia. Non mais essaye, hein. Essaye. Alors après, une fois de plus... Tout ce que je vous conseille, c'est ce que moi j'ai constaté qui marchait le mieux. En solo queue, à tous les niveaux. D'accord? C'est pas forcément ce qu'il y a d'opti pour du niveau challenger, etc. Mais si vous jouez ce que je vous conseille, de bronze jusqu'à diamant, normalement, ça passe. Puisque moi j'arrive à les jouer en diamant. Donc si moi j'y arrive, je vois pas pourquoi est-ce que vous y arrivez. Enfin, je pense pas être spécialement plus fort que vous. PV flat et pas PV par level en saut pour Shaco? Non, parce qu'en fait Shaco c'est assez fragile, surtout avec cette page de rune là. Et du coup sur un 2v2 tu peux prendre Bagdad, c'est pour ça que je préfère le PV flat. Alors tu conseilles d'acheter des runes ou pages de runes pour les soldes à venir? Bah ça dépend de ton nombre de pages de runes et de runes que tu as actuellement. Donc là je peux pas te répondre comme ça. Alors vous voulez du gold? Eh bah allons gold alors. On est parti. On est parti. Bon, j'avoue que j'ai passé une bonne après pourrie là, je suis sur 5 défaites de suite sur mon smurf en platine 2. Genre vraiment les games affreuses, donc là je vais aller me détendre en gold, ça va être sympathique.
Hop, mon compte gold, c'est celui-là. Enfin, mon compte gold. Le compte qu'on m'a prêté en gold, c'est celui-là. Tu conseillerais quoi comme stuff sur un Rumble, par exemple, de façon classique, les 2-3 premiers items? Alors, déguisement hanté, botte du sorcier, et après un item de pénétration magique, lambda, abyssal, bâton de vie. Jarvan mid, est-ce que c'est viable? Ça peut passer, ouais. C'est un assassin en fait quand vous jouez au mid. Donc ça peut passer, mais c'est très all-in, c'est un peu comme un talon. Est-il des champs bruiseurs viables actuellement? Bah, Iridia c'est un bruiseur. Gnar c'est plus un tank. Jax c'est un bruiseur aussi. Rumble c'est un bruiseur AP. Donc oui, il y en a beaucoup qui sont viables. Je pense que Rek'Sai c'est pas mauvais, mais c'est pas godlike. Alors je vais faire un petit tweet. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mes réseaux sociaux pour me donner vos avis, puis pour me dire des conneries, etc. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @GGLi, sur Facebook Eli aussi. Et je vais mettre ce soir un double screenshot avec toutes les runes et toutes les maîtrises pour Gnar vis-à-vis du petit tuto que j'avais fait hier. Je l'avais pas encore mis. Je vais faire ça tout à l'heure. Alors, Universe. Hop. Hop. Voilà, le petit tweet des familles. Bim. Faudrait du vol de vie d'éviter d'attaque pour Irelia. Non, le vol de vie, il n'y a pas besoin d'éviter d'attaque, ça peut être intéressant. Alors qu'est-ce qu'il faut choisir entre Beoterka et Darder? Ça dépend de ce dont tu as besoin. Et Corbut d'Irelia, moi je fais généralement Triforce, Rang 20, Vitesse Spirituel, Beoterka ou Zephyr. Suivant la dose de contrôle qu'il y a. Allez, on va partir sur de la mid lane. Ça va les couilles, on est rebelle. Bah écoute, ça va très bien et toi, Fantsignar? Enfin, ça va très bien. Je sors d'une période pas très très rigolote, mais ça va, je suis en forme. J'avais envie de streamer avec vous aujourd'hui, j'avais envie de discuter un petit peu. J'avais pas envie de jouer tout seul dans mon coin, donc ça tombe très très bien. Salut, je suis actuellement Silverin, tu as un champ ou une lane à te conseiller. En Silverin, je te conseille du mid ou de la jungle. Et je te conseille des personnages qui tapent bien et qui sont un peu passe-partout. Du Lee Sin, du Xerath. Du Fizz, ce genre de choses. Quelle rune pour un GP crit bien violent? Alors c'est une bonne question. Moi je te conseille, alors pour un GP crit, ça dépend comment tu veux jouer, si tu veux jouer GP crit early pour gagner ta lane, ou si tu veux jouer GP crit un peu late, parce que t'as des runes de dégâts des coups critiques et des runes de chance de coups critiques. Moi je te conseillerais de mettre tes quintés en dégâts des crits, par exemple. Si tu veux jouer avec un statique par exemple, et en marque en AD, saut comme d'habitude, et glyphes, résistance magique par niveau. Ah, t'as aussi de manger une bonne crêpe pour les fêtes. Moi je suis malade depuis je sais pas combien de temps, enfin c'est une catastrophe. J'ai mon corps qui ruine de partout. Genre mon dos tombe en miettes, enfin c'est. Voilà, je suis un papy! Je suis un papy! Ouais, vite fait, hein. Je suis un peu plus en forme qu'hier, mais c'est pas encore non plus la folie, quoi. Est-ce que je peux choisir? Ouais, je peux choisir. Je peux choisir, ça fait partie. Remarque, je sais pas si je l'ai sur ce compte. Ah, je l'ai sur ce compte. Shurima, your emperor has returned. J'ai envie de sortir des picks un petit peu qui sortent de l'ordinaire, parce que Azir, j'ai déjà joué plusieurs fois en live. Qu'est-ce qu'il raconte? Un Veigar, non, c'est nul. Qu'est-ce que je pourrais sortir de drôle? Le blanc, c'est surfait. Un Émeur d'Ingé, ça peut être marrant. Vas-y, on va jouer du Émeur d'Ingé. Émeur d'Ingé, les mecs. C'est ça. Alors tu mets une sup en gold de moyen de monter en plate, tu me conseillerais quoi comme champion? Alors déjà je te conseillerais de jouer en duo, ça c'est la première chose. Quand vous mainez support, c'est beaucoup plus efficace de jouer en duo. Oh non, ça a dodge! Oh, ils ont eu peur de mon Everdinger. Et ensuite, en gold, tout est possible, ça dépend comment tu joues. Moi je te... si tu veux des supports tank... What? 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 C'était quoi ce bug? Du coup je disais en tank, Thresh, Braum, Blitz. En gold, après en AP,
Karma, Vel'Koz, Zyra, Nami. Si je joue Kayle parfois, mais pas en mid, je joue plus en jungle. Alors, j'ai essayé de jouer Nautilus en jungle pour casser la méta, j'ai l'impression d'avoir zéro impact sur mes games. Ce perso est vraiment utile ou t'es mauvais avec? Non, c'est le perso qui est pas fou. Hein. Honnêtement, le perso, il est pas dingue dans la mesure où. Enfin, ça clean bien, ça clean pas mal, ça gank pas mal, mais ça a pas de dégâts. Et le problème, c'est que si ton équipe ne te suit pas, ce qui arrive souvent en solo queue, bah tu vas te retrouver tout seul. Et tu seras dans la déception! Alors. Attends, une petite seconde, il faut que je check des choses. Ok. D'accord, bon. Je regarderai plus tard. J'ai reçu plein de mails en même temps. Alors, c'est quand les matchs de. Quand les matchs de pré-saison commencent? Bah, la pré-saison, on y est déjà. Après, les matchs de saison 5, je sais pas. Le Hammer d'Ingé, ça te plaît pas Hammer d'Ingé des Arakai? Moi j'aime bien. Un Yasuo! Allez, donnez-moi le Hammer d'Ingé! Alors. Allez-y si vous avez des questions, comme d'hab. T'as joué Choquette. Ah non! Oh non, il a Instalog le mid! Instalog Veigar contre Yasuo, bah faut porter ses bolts quand même. Hein. Bon bah je vais jouer top alors. Alors les runes pour Blitz c'est toujours palier 3. Hein. Tout ce que je conseille Headcount c'est palier 3. Et dis juste pour te prévenir, Twitch dégage des parties du son de tes vidéos en replay. Intéressant. Étrange, mais je regarderai ça au Chine. Cartus Top. Alors honnêtement Cartus Top c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu du tout, c'est sorti en compétition, des fois, c'est rare mais ça arrive. Mais alors le problème c'est que contre un Yasuo ou un Panthéon, ça va être compliqué. Hein. En fait je savais même pas Oshin que Twitch faisait ça. Donc je sais pas trop quoi te dire. Alors du coup. Ah ouais. Ah oui ok, ils sont vénères en fait, donc ça va être un Panthéon top. Ça va être un pantalon top. Est-ce que j'ai Irelia sur ce compte? Non, je suis déçu. Eh ben le Hammer d'Ingé! A wise choice. Hammer d'Ingé en top lane. Ah ok. Putain, les mecs ils installent quoi. Genre ils ont pas le temps. C'est une Kayle quoi? Une Kayle support? Bon allez, s'en bat les couilles, on verra bien ce qui se passe. Annie support c'est pas mal, après il y a mieux. Il y a mieux parce que c'est quand même très dépendant de son flash. Tout, tout, tout. Alors je voulais juste te dire un petit truc vite fait. Alors ok là je viens de recevoir un truc de ouf, faut juste que je finisse de lire ça. Ah, intéressant, ok. Alors... Non je préfère Hammer d'Ingé, Dev Zakaria, je l'appellerai comme ça. Et pourquoi Ignite? Parce que j'ai envie. Voilà. Non parce que je vais le jouer un peu à la parasoul en fait, en mode très agressif. En fait non je vais prendre une fatigue. Prendre une fatigue c'est mieux. D'ailleurs je vais pas prendre ces maîtrises là. Hop, voilà. T'as déjà essayé la reconnaissance vocale sur LOL? La reconnaissance vocale sur LOL? What? Alors j'ai Anivia Sup avec Vayne ADC. Pensez quoi de Karna support?
C'est très fort en karma support. Hein. Salut loser. C'est ça. Brassoul, sors de ce corps. Est-ce qu'il y a moyen de taguer là? Comment ça se passe? Ça fait que dodge depuis tout à l'heure. J'aimerais pouvoir jouer. Putain, je suis là, speak. Je voulais faire du mid moi à la base là. Hein. Vraiment, en gold, ce qui marche le mieux, c'est mid jungle. Mid jungle top. La bot lane, c'est certainement la lane qui carry le moins. Hop. Toutou. Alors, ça part sur quoi? Bon, ça banne un petit peu, ouais, bon, ça c'est logique. Hein. Fizz, c'est très très important de le ban en gold. Le blanc aussi. Akali, ça peut se comprendre. Akali, ça peut se comprendre. Pourquoi pas? Shivan Jungle, par contre, c'est pas fou, hein. Surtout en first pick. Tout le tout. Alors pour les runes d'un AP support type Karma Morgana, tu prends du full AP ou de la Rési quand même? Je prends de la Rési. Je prends de la Rési en glyph. Après sinon je joue Quinté AP, Marque Pénétration Hybride et les sauts mix d'armure à PV. Qu'est-ce que je pense de Shen à chaque fois que je le sors? Je fais un carnage, c'est pas. C'est un peu has-been, mais je trouve ça tellement fort. C'est pas mal, mais c'est pas God tier quoi. Clairement, il y a beaucoup mieux en top lane pour l'instant. En fait, si tu compares un Shen à Maokai, à Gnar, à Irelia, bah tu te rends compte que l'impact est un peu limite quoi. Après, une fois de plus, on peut carry avec tous les champions du monde qu'on est bon avec. Hein. Ouais, c'est ça, et puis tant que ça te fait plaisir surtout. Ah, je vais devoir jouer support, je le sens. Ouh, la bonne game qui va arriver, je le sens. Tout, tout, tout. Ok. Ouais, c'est ça, bonne bot lane. Ah, puis je vais pas dodge parce que bon, on a déjà perdu 20, enfin, on n'a pas perdu 20 minutes, mais ça commence à être un peu long là. Après, mon Shyvana Nasus, on a un gros late game. Victor, je suis pas fan. Clairement, je suis pas fan. Alors, t'adores Lee Sin, t'as des astuces pour carrer. Oh putain, mais c'est dingue! Mais ça redodge, c'est un truc de fou! Est-ce que vous kiffez cette mèche de cheveux là? Ça, c'est la mèche de l'antenne. Alors, pour jouer tout un des carrés, je ne sais jamais vraiment comment le stuff, plutôt AS ou build ADC classique. Build-le un peu assassin, BOTRK, Yumu, c'est très très bien. Des objets actifs pour burst. Ouais, je peux te montrer ça, Doudoulik. Est-ce que je vais pouvoir jouer? Ah, c'est un truc de dingue, hein. Ça fait que dodge. Alors, tatatin. Mais si on jouera, ou si on jouera. Non mais c'est vrai que c'est ouf quand même, hein. Ma mèche me permet de capter Canal+, et CanalSat également. Est-ce que je vais pouvoir jouer? C'est une bonne question. Salut Didier! Bien la famille! Alors, t'as l'air d'ici, t'as des astuces, j'arrive pas trop, je mets des insects qui flash, mais souvent ça follow pas. Regarde dans ton rétroviseur quand tu joues Lee Sin.
Parce que le problème souvent des bons Lee Sin, c'est que comme ils savent faire des moves de ouf, bah ils se disent qu'il faut les faire tout le temps. Alors qu'en fait, pas forcément. Des fois, ça peut être bien aussi de regarder un peu ce qui se passe derrière soi, voir s'il y a des copains qui suivent ou pas. Parce qu'une bonne insight sera toujours utile. Bon, je vais jouer top. Qu'est-ce que je pourrais jouer top? Parce qu'en plus, là, j'ai très peu de runes sur ce compte-là. Qu'est-ce que c'est que ce compte, ce truc? Ah bah GG! Hop! J'ai déjà joué Dofus, ouais, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo sur Dofus, en fait, Phénoménal. Phénoménal. C'est un pseudo original. Ce n'est pas mon appartement, enfin c'est l'appartement des amis chez qui je vis pour le moment. Puisque je suis un SDF! Hop! Renekton. Je vais pas vous ressortir de la Riven parce que vous la voyez tous les jours quasiment. Nasus, c'est hors de question. Panthéon, c'est relou. Un Mundo, peut-être. Mundo! Un Garen! My heart and sword, always for Un the GP! to be boarded! Hey, un GP, ça pourrait être drôle. Est-ce que je sortirais pas un GP? Un Teemo? Oh, j'avoue, si j'ai Teemo, je sors Teemo. Ah, j'ai Teemo! Captain Teemo Non, on je vais pas sortir Teemo. duty. Sortir un Singed! Oh, Un well, Sion! Voilà, rest un Sion, c'est parfait. living. Un Sion, c'est parfait. Hop, on va prendre un TP. Et on va se faire une page de maîtrise pour Sion. On va l'appeler Fion. Alors, avec Fion, qu'est-ce qu'on va jouer? On va prendre ça. Ouais, on va prendre ça. On va jouer comme ça. Hop. Non, remarque, non, pas du tout. On va pas du tout jouer comme ça. On va jouer comme ça. On va jouer comme ça me semble bien. On va faire le Sion intuable. Hop, voilà, ça me semble bien. Bim. Ça envoie moins de rêves que le Teemo. Ah, quand même. Après, le truc, c'est que Teemo, j'ai peur que ma team elle se dise: Ah mon Dieu, report! On va les défoncer. Ils vont rien comprendre. On va les ouvrir en deux. Love me. Alors, excusez-moi, j'ai envie de danser depuis je sais plus combien de temps. Allez, c'est bon, on est parti, incroyable! Incroyable, la game qui se lance, qui n'a pas de dodge, qui n'a pas crashé ni quoi que ce soit. Du coup, j'en profite là, pendant la phase de chargement. Messieurs, dames, si vous avez envie d'apporter votre soutien à moi-même ou au gaming ou aux deux en même temps, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur nos réseaux sociaux. @EGGEDI sur Twitter, Eli sur Facebook, Eli sur YouTube, Eli sur Egwene School, enfin Eli un peu partout tout simplement. Et je vous encourage à désactiver Adblock. C'est tout simple, ça ne paye, ça ne coûte rien, ça ne pollue pas, ça tue des Teemo tous les jours, donc vraiment je vous encourage à le faire, désactivez le blog sur la page Twitch de Gaming et éventuellement abonnez-vous si vous voulez donner un petit peu d'argent de votre poche. C'est 7$ par mois, c'est pas un prix, enfin c'est un prix qui est un petit peu élevé quand même, mais pour nous c'est énorme, c'est vraiment énorme, donc n'hésitez pas à allez nous filer un petit coup de main, sachant qu'en plus j'ai pété mon iPhone hier et que du coup je suis dans la dèche, je n'ai plus de téléphone portatif, je suis malade, je souffre, s'il vous plaît, je fais la manche sur le stream. Alors Sion, ouais non Sion ça va être marrant, ça va être marrant, bon je vois pas trop comment je vais attraper le S mais ça va être marrant quand même. Et ouais ça tue les Teemo, go. Désactiver Adblock, ça tue vraiment les Teemo. Hein. Ah non, mais alors moi je ne fais jamais de publicité mensongère, hein, ça faut le savoir. Ok.
Je pense que c'est la meilleure pub que je pouvais faire, en fait, du coup, tuer des Timo. Tout, 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 tout. On est combien? On est 500 viewers, incroyable! Vous êtes 500 personnes à m'écouter dire des conneries. Eh, ça me fait vachement plaisir, en tout cas. Ça me fait extrêmement plaisir. Je kiffe. Tout à fait. Ainsi, sur les petites marionnettes. Bon, honnêtement, on a un bon beau combo en mode ulti-H, ulti-Sion, ulti-Leona, ulti-Oriana, into et co dans la tête des gens. On a... J'aime bien notre équipe. On a une équipe qui se peut pas mettre facilement au fond. Ah. Allez, Master Brain, tu te dépêches de charger, s'il te plaît. Tu lâches ton toaster. Et une jolie hache pastel. J'aime bien ce skin, je trouve qu'il est joli. D'ailleurs, quasiment toute ma team a un skin. Hein. Et en fait, ils ont combien? 1, 2, 3. Ok, c'est 3 partout, donc ça va, c'est even. Team à skin, team à win. Ah oui, du coup, faut que je change de rank. Alors, attendez. Donc là, on est en gold 5. Hop. Du coup, contre un lecteur, on va partir sur ça. Oh, remarque, on va starter flacon cristallin. Le flacon cristallin. Tin, 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 tin. Je suis gros. Je suis gros. Je suis Sion. Putain, le mec, c'est Robocop, quoi. Bon, on va tenter une petite invade des familles. Je suis où, moi? Je suis là. On va jouer au cri. Le cri, c'est bien. Le cri, c'est la vie. Coucou! Coucou! Tu veux te battre? Coucou! Elle m'a mis tellement de dégâts. Je suis choqué, quoi. Ce perso, quoi. Mais viens danser avec nous! Hop, 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 hop. Incroyable. Je voulais juste danser, moi. Hein. Ils sont pas marrants en face. Moi, j'ai cru qu'il allait me ramener la dague sur moi. J'aurais tellement insulté. J'aurais appelé Jean-Claude. Alors, non, 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 non. Ah, mais t'es là, Panda. Ah, j'avais pas vu que t'étais là. Eh bah, écoute, Panda, la prochaine, avec plaisir, on la fait ensemble. Promis. On se fait ça, y a pas de soucis. Là, j'ai pris une petite douche là, depuis mon stream de tout à l'heure. J'ai mangé, je me suis fait une grosse plâtrée de pâtes des familles. Sachant que j'ai un problème, en fait, j'oublie de manger. Et du coup, ça va beaucoup mieux que tout à l'heure. Donc là, on va envoyer du bois. Je suis contre quoi? Je suis contre un Renekton. Je vais jouer au cri. 70, ça fait mal, hein. Super mal. 35 de mana. Ouais, ça me semble bien, ça. Je te crie dessus. Bon, par contre, c'est pas avec ça que je vais le tuer, hein, clairement. Allez, je t'ai retouché, Jean-Claude. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est du crocodile en carton. Alors, pourquoi est-ce que je me laisse push? En fait, parce que mon Lissine a start au bot. Et du coup, s'il start au bot, ça veut dire que son premier gank de niveau 3, il fera où? Il le fera au top. Mec, t'es un peu chiant, hein. Je veux pas dire, mais pour un sac à main, je trouve que tu parles beaucoup. Je crée dessus! Je crée dessus, je récupère tous mes sbires, le last eating. Moi j'aime bien. Alors par contre, les mécaniques de farm de science sous tour, je pense que c'est pas ça. C'est trop drôle, quoi. Bon, alors là, ça qui est bien, c'est qu'en gold, ils ont quand même des réflexes... Enfin, pas tous, hein, mais... Il y a beaucoup de joueurs qui ont quand même des réflexes en carton, quoi. Ah, salaud. Pouh. Ah, mais je l'ai défoncé, en fait. Il y a rien de tuer. C'est pas grave, on le tue, 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 on le tue. On va l'avoir, on va l'avoir! On va l'avoir! Aïsine! Aïsine, Eugénie!
Oh mec, tu tues, merci. Quand même, me fait peur. Ah, pour apprendre ça, bon, le Renekton ça fait très très mal en dernier. Merci. En fait, j'avais vu de l'Issine arriver. Honnêtement, je m'attendais pas à prendre aussi cher. Pas grave. Pas grave, c'était drôle. On va push ça tout ça très vite là. Ah, je trouve que ça fait mal quand même au cri. Hein. On va le maxer, parce qu'en fait ça va nous permettre en fait de nous défendre en même temps. J'ai pris un bouclier de Doran parce qu'en fait le stun de Renekton, en fait quand il est en mode normal, c'est 2 coups. Et sous fureur c'est 3 coups. Du coup le bouclier de Doran proc à chaque fois. Le mec est déco en fait. Non, moi je suis pas comme ça, je suis pas les gens déco. Je fais pas exprès, j'ai pas fait exprès, c'est le shield qui a explosé. Alors honnêtement, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ouais c'est pas malheur et tout, c'est pas gentil. Tout le monde le fait. Pendant un temps je jouais pas mal. Et j'avais une... je vivais chez mes parents. Et j'avais une connexion vraiment en carton. Mais genre la connexion était pourrie. Et ça m'arrivait très très souvent de déco. Et à chaque fois que les mecs pouvaient me buter, ils me butaient. Donc honnêtement, c'est sans pitié que je tue mes adversaires dorénavant. Du coup, on va rester. Je pense qu'on va faire un gros stuff full tank à base de cap solaire, de torn mail. On peut-être pas torn mail en deuxième item, mais cap solaire, rondouin, banshee, ça me semble bien. Je crie dessus. Merde, j'ai raté. Tu t'es fait jambon, ma gueule. Par contre, les coûts en mana sont un peu élevés, je trouve, quand même. Touché. J'ai touché. Ah, j'ai mon 6 déjà. Incroyable. Touché. Ah, les coûts en mana sont un peu forts, quand même. Je leur crie dessus. Ok, on va shield. Nickel. Nickel. On va back gentiment. Renekton c'est très très fort en face de la line, faut pas croire. C'est assez méchant comme personnage. Bon tant pis, je vais perdre un peu de sbire mais c'est pas bien grave. On va faire ça. Alors c'est dommage que j'ai plus mon TP. En fait ça m'étonne que les coups de mana soient aussi élevés. Ça avait été EP ça pourtant. Quand on commence à se justifier, c'est qu'on sait qu'on a un petit peu tort. Non, c'est juste comment va réagir le chat, c'est tout. Bon, par contre, ma tour prend Bagdad, c'est pas cool. Ah, ça fight au bot. C'est qu'un TP à faire. Touché ! Putain, les dégâts ! Touché, retouché. Ah, il m'a ignite et tout. Ah, remarque, il peut me tuer là. Hein. Merde. Incroyable. Incroyable, il va m'avoir, le bougre, il va m'avoir. Non. Et je fuis comme un seigneur. Non. On va danser. On va lancer. Bon, my bad. Là, par contre, là, j'ai fait complètement de la merde. Hein. Autant pour moi. Il avait le niveau 6. Les dégâts de Renekton sont trop puissants en ce moment de la partie. Il vaut mieux que je joue tranquillement. Alors, je joue one tranquillement. Est-ce que je pourrais jouer quasi après? Ouais, si vous voulez. Y a pas de souci. Bon, c'était clairement pas malin de ma part. Là, j'aurais pas dû faire ça. Je me suis un petit peu trop lâché en mode on s'en bat les couilles. Alors qu'en fait, non. Non. Pas du tout. Je n'aurais pas dû. Je me reconcentre. J'arrête de faire n'importe où. Alors je vais leur dire que j'ai le TP. En gros l'idée quand vous jouez top et quand vous faites pas n'importe quoi comme je viens de le faire, il faut toujours essayer de tenir votre line au milieu de la vague, voire sous la tour adverse à partir de ce moment là, à peu près à partir de 8 minutes de jeu. Tout simplement parce que après en fait ça va vous permettre de TP éventuellement. Alors, en fait j'ai pas de dégâts par rapport à lui.
Je tank mais j'ai pas de dégâts du tout quoi. Hop, slow. Moi je suis bien, on le tuera pas hein. Je pense pas qu'on puisse vraiment le tuer. Là il faudrait mieux que le Lee Sin aille au bot en fait. Hop. Ah mais là tu t'es peut-être un peu emballé mec. Oh je l'ai sniped. Ok, on a pris un kilobot, ça c'est bien. Faut toujours, toujours garder un œil sur la botlane, genre un peu comme maintenant. Et par exemple, claquer un TP genre ici. Pourquoi ils y vont pas? Bon, j'ai bientôt l'ult. Ah, je le touche pas. Fuck it. Fuck it, get dragon. On va le faire. En gros, l'idée c'est que vous claquez votre TP bot. Votre botlane vous suit, vous arrivez dans le dos de l'équipe adverse généralement, comme ça ça marche bien. C'est pour ça que j'ai aussi pris une pink d'ailleurs. Et on go dragon, là de toute façon je vais juste jouer gros tank, hein, gros sac à patates. Voilà un peu comme ça. Donc là ma tour top elle prend très cher mais c'est pas grave parce que la tour top est moins importante que le premier dragon. On fait comme ça. On va prendre une petite potion. Ouais j'ai vu par contre on a pas de smite. Non sérieux. Sérieux, il l'a vu, il l'a volé. Incroyable. J'ai plus de mana, incroyable. Non, on s'est fait voler. C'est pour ça que le Lee Sin il aurait dû être bot. Là par contre, oula, ça pue, ça sent le caca. Tempête de caca. Oh, on avait tout ce qu'il fallait, franchement on avait vraiment tout ce qu'il fallait, c'est vraiment dommage qu'il ait pas full up. Oh non il meurt en plus. Oh non, ça par contre c'est pas cool. Tant pis, c'est pas grave, on est à 7-5. C'est pas grave, c'est pas grave, on va pas s'agacer, c'est pas grave, y'a pas mort d'homme. Y'a eu mort d'aveugle, bon, pas trop grave. Non, le Renekton ne peut pas prendre deux tours, hein. C'est pas un Jax et on est à 11 minutes de jeu, hein. On n'est pas non plus à perpétuel champion. Et là du coup moi je suis super mal parce que le Renekton il a un peu 10 fois mon stuff là. Bah c'est vrai que là du coup on a perdu beaucoup quoi. Et possiblement il y a Katarina qui décale. C'est la merde. C'est masse la merde. Bon, heureusement, le papillon il est là, il wave clear. Merde. Ah. Bon, c'est pas pour rien que si on n'est pas un perso top tier. Hein. Parce que c'est très tanky, c'est marrant à jouer, etc. Mais c'est pas. Ça manque un peu de dégâts en fait. Ça a pas. Naturellement, ça a pas des dégâts de fou quoi. Il faut vraiment caler le Q-spell comme une brute. D'ailleurs, je vais maxer le Q-spell en deuxième. Hop. Sinon, on n'arrive pas à grand chose. En plus, le Rena qui joue à l'Ignite, donc le fait de jouer TP, c'est un avantage stratégique qui est énorme pour mon équipe. Et qu'on n'a pas du tout fait fructifier. C'est bien dommage. Ok, là par contre, il y a le Renekton, on va m'agresser. Oh, il a le red buff. Il a le red buff. Ah, il a Tiamat et red buff. Ok. Ah, ça par contre, ça va être pénible. J'ai un peu de wave clear, mais j'en ai pas tant que ça. Qu'est-ce qui se passe au bot? Ok, on prend la tour, ça c'est bien. Il me faut ma cape sur l'air. Warwick qui décale ici. Il a 3 de l'Arlington. Très bien, on prend la tour. Il manque combien? On a 1850. Grosse kill cap hein, sur le perso. Hein. On va call le miss. Là j'ai plus de ward malheureusement posé. Voilà. Après là, au niveau du gameplay ça va vraiment être full tanking. Full tanking de telle manière à être très utilitaire pour mon équipe. Je décale, j'arrive. Essaye de tenter de faire des engage. Mais ils auraient pu fight là peut-être. Non, vous voulez pas fight? Vous voulez pas fight? Exception.
Et on peut fight là, y'a pas aise hein. Oh, il court vite la Sorican là. Alors par contre si on fait des trucs comme ça, ça va pas le faire. LOL. LOL, le Wombo Combo. LOL. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais on a tué plein de gens. J'ai bien aimé. Merde, non, j'aurais pas. Ça fait du combien? 1 pour 1, c'est tout, sérieux? Ouais, il manquait pas grand chose, hein. Il manquait vraiment pas grand chose. En plus, on était en 4v5 là. On était en 5v4, pardon. À chaque fois, il était pas mal. Il manque un peu de dégâts. Il manque un petit peu de dégâts, ça vient. Hop, on va prendre ça. Cap sur l'air. Pourquoi? Ah dommage. J'avais pas vu, my bad. On va partir sur le top lane. Ah mais je suis d'accord avec toi Azash, le champion est bien nul. Il est bien. En fait il est même pas drôle à jouer, il est juste chiant. On va aller top parce que ça va contre-push après. Bon attends, je suis pas trop dégueu. Bon, le Renekton est feed. Mais ça va. Ah oui, niveau 10, ah oui d'accord, il met complètement la bite en fait. J'ai rien dit. Merde, j'ai pas eu l'autre. La carte solaire. Non, laisse-moi faire mes trucs tranquilles, s'il te plaît. Je te crie dessus. Calme-toi. Calme-toi, avec toi. Je vais wave clear. Je vais faire une Warmog après. Genre, je vais vraiment faire le monstre imbutable. Faut pas fight tout de suite, hein, j'ai pas mon TP. Mec, t'es chiant là. Casse-toi, on a dit. Ah, c'est un peu tard là. Hein. Y'a un Renekton sauvage par là. Ok, ça groupe au mid. Notre tour tient encore. Oh, Warwick Bot. Est-ce qu'on a les ultis? On n'a pas l'ulti Léonard, donc on va attendre avant d'engager. Ah, y'a le dragon. Ouais, c'est pour ça. On va push. Ah, ça fait mal, hein. De rien. Lol. Ah, j'ai mis un peu court, là. Mais faut le taper, là. Faut le taper, là, Renekton. En fait, j'attends que la Katarina va claquer son ulti. Popoc. Oh, Popoc, on a pas. Ouais, on a une hache quand même. Hein. Ah, ils ont une Soraka. Soraka S, j'avoue qu'en termes de Poc, ils sont largement au-dessus. Est-ce que je tente le gros Goin? À l'assaut! Et Shockwave! La Shockwave qui arrive trop tard! Oh non! Ah non! Mon engage, j'avais les deux carry! J'avais eu les deux carry. Les dégâts. On tape, on s'en fout. On tape. Bah là franchement j'avais eu les deux carry. On peut pas me dire non machin, t'étais pas bien machin. Par contre on a pas un... Ils ont plus de dégâts en fait pour l'instant. Non moi j'ai pas envie de up le shield en fait. Parce que là je suis déjà assez tanky de base. J'ai déjà tout ce qu'il faut. Là, oh non. TP. Ah, ils sont tous sur mon cul, d'accord. Oh, look, look up, mais non! Mais non! Mais non, ils sont sérieux! Ils sont sérieux! Que ce monde est sérieux! Ah, il a rebuté! Bon, le dragon est pas tombé, hein. Il faut aller dessus là. Faut aller dessus. Ils ont peu de PV, hein. Le jungler, il est où là? Ah, il est mort. Ok, ça va être compliqué si on joue comme ça par contre. J'aurais dû prendre un truc avec des dégâts. J'aurais pas dû prendre un gros tank comme ça.
Bon, 1-3-3, il y a Ashe qui est pas mal, ça c'est une bonne nouvelle, c'est un bon late game Ashe. Là il faut que je farm en fait. Renekton il me met deux niveaux, il s'est complètement fit sur tout le monde. Hop. En fait le but du jeu, c'est pour ça que je jette le cul, c'est je vais rentrer dans le tas, je vais certainement mourir, mais le but du jeu c'est de mettre le plus de dégâts possible. C'est l'objectif, pour l'instant. On verra après pour la suite. Ah ouais, c'est pas un perso que je joue, hein. Franchement, ça doit être la deuxième fois que je joue, à tout casser. Je le joue pour le plaisir, pour le fun. J'aurais dû prendre Kennen, effectivement, j'aurais peut-être dû prendre Kennen. C'est possible. Ah, ça fait pas passer les murs, ça, c'est intéressant à savoir. On va reprendre de l'armor. Remarque, on va prendre ça. Avec de la régène PV, ce sera mieux. Je vais devenir un tank. Par contre, Renekton, il a Capsuler Hydra, donc en termes de speed push, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, compliqué. J'aurais pas dû prendre un TP en fait. En gold, les gens savent pas jouer au TP. Ah bah j'y vais, hein. J'y vais, mais je vais pas utiliser dans ces conditions. La range est assez grande. Ok, il y a tout le monde. Oh, sur Renekton, il est vénère. Hein. Putain, je l'ai pas stoppé assez vite la cata. Ah là là, mais elle défonce tout le monde. Voilà, merci. Oh, le doublé. Le doublé incroyable. Ça va être là. En fait, je me suis dit, c'est bon, la cata elle va mourir instant, et en fait, elle est pas morte du tout instant. Elle a eu le temps de nous défoncer tous. Katarina en gold, c'est hyper puissant. Hyper, hyper puissant. Bon, après ça, j'ai plus besoin de la bottle maintenant. Oui, bah oui. Bah vie. Ok, ils sont tous au top. Date passif, exactement. Exactement. Et en fait il va se passer un moment, ils vont tout me mettre dessus et je mourrai. Enfin si je meurs, ce sera tellement pas rentable que du coup on devrait gérer le fight derrière. Tu me boostes s'il te plaît copine. Encore, encore, encore. Oh putain, faut peut-être que je me retourne là. Hold shutdown sur Renekton. Nice. J'ai pas eu l'assist, super. Laissez-moi farmer. Ça c'est un des gros problèmes en fait en gold et même après d'ailleurs. C'est que les gens se plaignent parce que X ou Y a son adversaire qui a plus de kills que lui, etc. Mais il lui donne pas les moyens de remonter. Là par exemple, Renekton, il a 9-3, il prend les kills sur tout le monde depuis tout à l'heure. Mais mon équipe ne laisse pas le farm pour essayer d'être efficace également. Et les gens réfléchissent pas non plus en termes de composition late, etc. On a un late game qui est 10 fois plus fort que le leur. Pourquoi? Parce que on a Orianna Ashe, Sion. Je suis lent, mais je suis lent. Putain, je rejouerai pas sûr, franchement c'est trop chiant. Ah, j'ai touché. Parce que là déjà je commence à être bien tanky, hein. Ça va faire bien peur. Je retourne défendre le top. Le problème en fait c'est que bon, je suis mort une fois en phase de lane vraiment comme un jambon contre le Renekton. Ça c'est une grosse erreur de ma part. Le souci qu'il y a eu c'est que les gens ont voulu tenter des fights contre le Renekton. En early c'est très très fort, hein. C'est certainement l'un des meilleurs top laners du jeu d'ailleurs. Même si c'est beaucoup moins joué en compétition parce que c'est moins l'early game qui paye à haut niveau. En solo queue c'est très puissant. Non, c'est pas le moment de vous faire ouvrir, s'il vous plaît. Bon, on va switcher, je vais commencer à maxer le shield là. Ok, l'autre il est au bot. On peut tenter un fight là. Hein. Là, faut y aller. Ah non, bah oui, non. Mais si, Renekton est pas là. Ah oui, faut y aller là. Là, il y a la tour pas loin, malheureusement.
Une oufelle. Oh, nice. Incroyable, cette ulti de génie. Cette ulti de génie. Bonjour. Sur un Ezreal, s'il vous plaît. Non, c'est ça qu'on prend. On prend ça, on s'en fout. Shall not pass. Allez, on peut le kite. Moi, je me colle à lui. Il faut absolument qu'on arrive à stopper la Katarina. Pouah, ce kill. Pouah, incroyable killing spree sur Sion. Qu'est-ce que tu vas faire, FIR? Bon, bah voilà, on remonte petit à petit. Moi, j'ai le TP, hein. Ok, on va se faire une gloire du juste. On va faire plein de régènes. La régène, c'est bien. Bon, on va TP nature pour pouvoir le faire tout de suite. Bon, là, j'ai 3400 PV. On est à 24 minutes de jeu. Hein. Est-ce qu'on en parle? En fait, c'est plus le S qu'il faudrait tuer. Ah, il love hein, le Warwick. Le Warwick est pas content. Est-ce que tu peux arrêter de taper mes copains? Je peux pas le kill. Enfin, ce combat sans fin. Ce combat sans fin, quoi. Voilà. Ah, est-ce que je peux fuir? Est-ce que je peux fuir tel un seigneur? Oui, je peux fuir. Incroyable. Bon, par contre, là, faut se barrer, hein. Ah, Katal, on est où? D'accord. En fait, Warwick n'est tout simplement pas tuable pour le moment. Tout simplement avec la Soraka, c'est... Pff, y a pas moyen. Franchement, y a pas moyen du tout. Ouais, oh, c'est pas grave, c'est rigolo. J'arrive, on va fight. On va faire le plus gros world boss de l'histoire de l'humanité. Et à la fin, on fera. Ah non, il n'y a plus l'Atma. Est-ce qu'on a eu le dragon? On a eu le dragon. Pas fier, les gars, là. Défonce. Juste moi! Plus la brain, mais. En fait, la Orianna, elle pense pas à. Elle pense pas vraiment à mettre son Z. Non mais faut pas. Oh, oh mes yeux! Mes yeux! Mes yeux! Mes yeux! Je te tue! Oh là 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 là, mon dieu, il m'a tellement cramé les yeux l'autre. Je touche! Je touche! Je retouche! Qu'est-ce que tu vas faire? Et je tue! Et je tue comme un seigneur! Non mais moi aussi je tue hein! Ah merde, le Ezreal, les... Oh là là, pff, c'est moche! Oh, c'est tellement moche de faire ça! Bon, je suis fed aussi hein, les gars, on en parle ou pas? Bon! Ah, vous êtes encore en pleine discussion pour vous les skins. Ouais, ok. Ok, très bien. Alors, je vous laisse discuter gentiment. Bon, j'avoue que les shockwaves d'Orianna sont un peu douteuses. Donc, pour le moment, c'est pas fou. Ouais, c'est ça, hein. En late game, Renekton ça vaut rien du tout. Hein. Mais mon farm, parlez-vous, achetez-vous une lane. Moi j'ai pas eu de cadeau sur tous mes comptes. Je l'ai eu sur mon main et sur mon smurf principal. Mais sur les autres j'ai encore rien eu. Ah, ça commence à taper un peu là. Alors défendre le bot, défendre le mine. Ça m'étonne que ce Renekton soit gold quand même. Je trouve qu'il joue. Il a un niveau de jeu qui est un peu élevé pour un gold. Hop. On va pas s'avancer plus que ça parce que je suis pas. Enfin, je suis gros, mais je tape pas fort sur les tours. Enfin, j'ai aucun intérêt à speed push. Alors, en termes de régène de PV, on est à combien là?
On est à 185 PV, d'accord, ok, très bien. Lord est juste! Allez, groupe mid! En fait, j'ai 5 comptes. Non, en fait, en tout, j'ai 6 comptes. Donc, j'ai mon compte principal, j'ai mon smurf principal, j'ai mon smurf 2, mon smurf 3, mon smurf 4, etc. etc. Bon, justement, pour pouvoir coacher à tous les elos. Ça follow up derrière. Pas vraiment. Ah, mais j'utilise au corps à corps, on s'en va les couilles. Oulala, là, par contre, là, c'est tempête de caca là. Oh, le shockwave! Oh, la 3K et le shockwave! La 3K et le shockwave! La 3K. Ah, je suis tout ça, merde. Non, mais avec courage, toujours. Non, la shockwave était tellement bien. Alors, comment ils sont morts? Katarina, peut-être? Parce que là, moi derrière, j'ai réussi à lock. Alloc le S et tout. Bah, meuf, tu joues H quand même. T'es le meilleur perso pour Kite. Peut-être pas déconner non plus. Parce qu'on en parle. Ouais, la shockwave elle était belle, hein. Franchement. Et ouais, et j'ai des mots de passe différents sur tous les comptes en plus, donc c'est sympa. Better flame than improve. Je leur coupe la retraite! Ah bah j'en ai même pas besoin en fait. Autant pour moi. Autant pour moi. Ça veut l'assurance. Ok, bah allons l'assurer. Honnêtement, j'ai 4000 PV. Il y a une ward ici. Je peux pas projeter de Nashor, ça je trouve pas ça logique. Hein. Je devrais pouvoir balancer de Nashor à l'autre bout du monde. Et je me suis fait cancel mon cul! Ouais, elle défonce tout le monde. Oh là là. Ouais, bon, en fait, le problème là, c'est que je tank comme un fou, mais pour rien. On n'a pas de dégâts. On a absolument aucun dégât. C'est pour ça que je vous conseille d'ailleurs de prendre plus des personnages à dégâts en top lane que des personnages tanky. Parce que bah, je suis le dernier à vivre. Bon, il y avait encore Leona, mais Leona s'est escape assez vite. Je suis le dernier à vivre, mais bah, je peux pas les tuer tout simplement. Ouais, je pense qu'on peut sur end là. À mon avis, on a perdu. Je pense que nous avons perdu. Le Warwick, on pourra pas le tuer en late. Le Ezreal, il est pas trop mal. Il a un farm qui est bon, qui est pas fou, on est en gold, mais bon. Il est efficace, il a son mur à mana, il a son Iceborne Gauntlet. La Katarina, elle a 10-5. On n'a toujours pas d'Egide. Ah si, on a une Egide maintenant. Je commence à douter un petit peu là de l'avancée de cette partie. Bah, en fait, Ashe, ouais, c'est le meilleur perso pour faire du kiting. Hein. Elle a juste à rester loin. Le Renekton, elle attend qu'il claque son Dashin. Elle utilise sa salve, auto-attaque, je me replace, auto-attaque, je me replace, auto-attaque, je me replace, etc. etc. Ah si, je peux le balancer, moi ça me semblait. Mais c'est pas mal de ma faute, hein, honnêtement, j'ai fait quand même bien de la merde en face de lane. Il faut être franc avec soi-même. C'est important. Voilà. Il y a peut-être le dragon, si ton Nashor. Oui. Bon, on va essayer de rusher dragon. Ça sert à rien, il est fait. Fuyons. Fuyons, fuyons, fuyons. Salut meuf. Bien. Bien la famille. Tout, 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 tout. Non mais là ils me tueront pas. Hein. Là, très clairement. Très clairement ils ne me tueront pas. Ah, c'est pas mal sur en défense quand même. YOLO! Merde, je voulais pas aller sur elle. On va essayer de zoner la backlane, hein. Touchez pas mes copains! Enfin, en fait, le truc là, c'est que j'ai 3 personnes sur moi. Et derrière, bah, le Renekton, il tue tout le monde tout seul.
Barrez-vous! Barrez-vous! Laissez-moi fuir! Laissez-moi fuir! À quadrat du Renekton. À l'assaut! Je vais à l'assaut de ma propre base! Bon. On a perdu. On a perdu. Bon, c'est pas grave, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ouais, il faut des En fait, sur Nasus, Renekton c'est très bien. Renekton, Shyvana ça marche bien aussi. Un range, sinon un Gnar. Un Gnar, Lissandra. Quasiment tout en fait. Quasiment tout et n'importe quoi. Bon, c'était une game intéressante, hein, j'ai envie de dire, dans la mesure où on a constaté l'impuissance du Pixion. Voilà pourquoi c'est un coaching pour comment ne pas jouer top en gold. Et pourtant, je suis premier aux dégâts de ma team. Hein. Et je suis premier aux dégâts de son... Ah, d'accord. Je suis premier aux dégâts de mon équipe avec une couloir du juste, une cape solaire et une warmog. Quand même. Je dis ça, je dis rien. Enfin bon, c'était marrant. Du coup, on va se faire une petite pause. On va retaguer tout de suite après en gold, histoire de vous montrer vraiment un truc qui marche cette fois. On va y aller un peu plus méchamment, entre guillemets. Ouais, mon équipe était pas folle, mais c'est pas grave. De toute façon, ça fait partie du jeu. Ah oui, c'est vrai que j'avais dit qu'on jouait avec Panda. Donc, on va se faire une petite pause et puis on reprend après dans une petite dizaine de minutes. Je vous dis à tout de suite. Oh, messieurs, dames, et nous sommes avec Panda Ren pour faire un petit peu de duo. Allez. Est-ce que tu vas mettre ma caméra au moins une fois? Je sais pas. Non, mec. En fait, je peux pas tant que j'ai pas mon dual screen et j'ai toujours pas eu le temps d'acheter le câble. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi tout. Bah, il s'est passé juste qu'en fait, le deuxième écran que j'ai, celui d'un de mes potes, et on a qu'un seul câble pour trois écrans, et du coup, bah, forcément, il a récupéré son câble, ce qui est logique. Oui, bah oui, normal. Donc pour l'instant, je me fais jambon. D'accord, donc il te faut un câble non, HDMI ouais. Ou un câble VGA? Non, c'est un VGA tout simple, il faut juste que je le récupère. D'accord. Il faut que je prenne le temps et j'ai pas eu le temps pour l'instant. Hop. Voilà, je t'invite, monsieur Pandaren. Vas-y, invite-moi. Bon, alors je t'avoue que je suis sur une loose strict là, pour l'instant. Ah, mais j'ai vu ça. C'est pas évident sur ce compte-là. Là, je suis à 0 points plate 2. Bon, ça va remonter, mais. Il faut enlever cette malédiction. C'est ça, tout à fait. C'est l'objectif. Enlevons la malédiction. Bon, alors, à ce qu'il paraît, t'as eu Poppy en cadeau et tout. Alors, ouais, sur mon compte. Bah, sur ce compte-là, j'ai eu Poppy Lollipop. Et sur l'autre, j'ai eu Caitlyn Warfare. Oh. Donc, je suis content. Mais j'ai une Harry Popstar. Ah, je suis sûr. C'est parce que j'arrête pas de danser alors Riot et tout. Genre, je te parie que c'est Lignarus, il m'a fait. Bon, alors pour Panda, vous lui donnez une Harry Popstar. C'est possible. Donc j'ai bien été sage. Hein. Je pensais. Tu sais, quand tout le monde mettait leur screen avec ouais, j'ai reçu ça. Et moi, je fais putain, j'ai rien reçu et tout. C'est à mon avis parce que je fais trop d'ironie sur le chat. Bah, non, en fait, non, c'est bon, ça se passe. Panda éclaire la prochaine game de ton skill. Bah écoutez, on va essayer. Hein, mais c'est oui. La première game de la journée. Est-ce que tu vas avoir une opportunité, mec? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ça sera du trash certainement si on me laisse mon trash. Mais ouais, pourquoi pas. Bah d'un côté, je suis plat 3. Je suis à 50 LP, il me semble. Ah, pas si mal, hein. Pas de bêtises. Donc oui, ça monte, petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Accepté. Ouais, je suis à 50 points, c'est ça. Alors. Je vais jouer mid. J'ai joué mid parce que j'en ai marre de jouer top. J'ai spammé le top toute la semaine. J'en ai un petit peu marre. Non, vous n'aurez pas la cam de Panda aujourd'hui. La prochaine fois, j'essayerai. Mais pour aujourd'hui, j'ai pas coupé mes cheveux et tout. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Ah, t'es beau gosse, mec, quand même. Hein. Ah, si, Panda, t'as le. Non, mais attends. T'as le mojo. Alors, j'ai eu une conversation hier soir avec une personne. On était en soirée et tout. Une personne qui ne connaissait pas du tout le jeu vidéo. Et il me fait Non, mais mec, déjà, je lui ai dit appelle-moi Panda. Et il me fait le fait de caster, le fait de commenter et de faire des streams sur internet, est-ce que ça t'apporte plus de meufs? est-ce que ton sex pile il a augmenté, tu vois? Et je fais bah non, pas du tout en fait.
pas du tout. Donc, ah. Commenter sur League of Legends ne vous donne pas plus d'opportunités à avoir des filles. Le mec, il est tellement dans le mensonge. Non, arrête. Ah, Panda, on sait tous que tu as. Tu as comment dire. Un sex appeal à toute épreuve. Merde, Crudy. Alors, du coup, je refais ma page de maîtrise pour Fizz. Hop. Tout à fait. Tac, de Hayley, c'est pop de Hayley. C'est ça. Exactement. Ce que je suis en train de refaire mes maîtrises en même temps, tu vois, c'est pas évident. Morderay, appelle-moi Panda, c'est déjà ça commence bien. Moi, à chaque fois que je vais dans une soirée, je leur dis, les gars, hein, m'appelez pas Kevin, hein, appelez-moi Panda. Je préfère. Ouais, c'est comme une seconde peau. Au boulot, je gère 100 personnes, pour vous dire. Je vais pas dire là où je fais. Enfin, 100 personnes, il n'y a pas que moi, on est 5 quand même. Hein. Et donc 100 personnes, et on est 5. Et parmi les 100 personnes, il y a énormément de Kevin. Alors même au boulot, quand je suis arrivé au boulot, j'ai fait, bon, il y a plein de Kevin, vous allez m'appeler Panda. Ils n'ont pas voulu. Hein. Sérieux ? Ils m'appellent Kéké. Genre... Nice. Bah écoute, si t'appelles Kéké, tu veux que je t'appelle Kéké aussi ? Non. Allez Kéké, on est parti. On est parti Kéké. Ah non, j'arriverai pas. Ah, j'espère que c'est pas une... J'espère que c'est pas une Raven Meet, c'est relou quand tu joues Fizz. Ah, Soraka. Ouh, Soraka contre Fizz, ça c'est pas mais très... Mais Soraka qui revient, j'ai vu dans ta dernière game, mais il y avait une Soraka. Hein. Ouais. Non mais la déception de Soraka Warwick qui était avec ton surfoot, ah, tant que tu peux pas les tuer. Le mec il arrête pas de se régène quoi, c'était ouf. Tu peux pas les tuer. Les gars, non ça va, vous allez arrêter. Les mecs ils commencent à aller sur le chat et marquer kéké. Mais grave, mais go full spam kéké là. Ah bah tu t'es vendu tout seul aussi Panda. Ah ouais, non mais tout le monde sait que je m'appelle Kevin. Tout le monde, le kéké des plages. Allez c'est passé. Ça c'était dans mon ancien taf, on m'appelait ça, kéké des plages. Nice. Ouais, c'est... Nice. Oh putain, je veux trop le trash lune de sang. Il y a une personne qui doit me l'offrir. Ah, moi, on me l'a offert. Ah non, c'est Elise lune de sang. C'est Elise lune de sang. Ah, c'est Elise lune de sang. Ouais. Moi, c'est trash lune de sang et on me l'a pas encore offert. Je suis un peu dégoûté. Je pensais que la personne allait être au taquet pour me l'offrir et non, en fait. Rien du tout. Aïe. Ça y est. La maladie du kéké. La maladie du kéké. Le kéké. Kéké. Après le crêpe, voici le. Kéké, tout à fait. Le kéké. Ah non. Ah, pourquoi ça dodge? Et c'est un truc de ouf, ça dodge 3 fois sur la game d'avant. Ah non mais. Impressionnant. Mais moi je t'aime la moitié. Tu es l'homme de ma vie. Ah ouais, ah, t'es comme ça toi. Ouais, c'est la fleur de sang de toutes les épreuves sexuelles que j'ai pu avoir lors de ces dernières années. C'est voilà, la moitié 81, big okay. Up. Très bien, mais pourquoi pas. Ouais, ça dodge encore, c'est ouf. Ouais, c'est un peu banon. Ah, les gens veulent que tu joues Elise. Ah ouais, mais c'est pas sur ce compte-là. Ah, c'est sur l'autre. Donc y a pas, j'ai désolé. Hey. J'ai désolé, monsieur Tam. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Pourquoi ne pas faire un questionnaire? Alors en fait, la 14, on en fait, ou la 14, je ne sais pas comment ça se dit. J'en fais régulièrement des straws, mais c'est juste que là, tu vois, il est déjà 19h20 que je suis censé rendre le stream à 20h et que du coup, ça prend pas mal de temps, le temps de les rédiger, les straws, etc. Donc c'est pour ça que je les fais pas tout le temps, mais je vais y réfléchir pour les prochaines fois. Oh, tu n'utilises pas l'outil qu'on t'a donné sur Gaming? L'outil de sondage! Parce qu'en fait, ça prend 3 fois plus de temps sur l'outil de sondage. Ah bah ouais, mais faut l'utiliser. Oui, c'est vrai. C'est fait pour ça. Ouh, un Rek'Sai. Intéressant. Intéressant. Alors les bans qui ont complètement changé. J'avoue. Et le mec te demande si tu veux Fizz. Yes. Go for it. J'ai envie de Fizz. Ou 21h, c'est 21h qu'il faut jouer en antenne. Oui, mais de toute façon, c'est moi, donc... Ah ouais, exact, c'est 21h, autant pour moi. Je suis complètement à la masse en ce moment, c'est une catastrophe. Oh. C'est une catastrophe. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Alors... Bon, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle compo des Fnatic, tiens, d'ailleurs? Voilà. D'autres questions? Non, franchement, j'ai regardé vite fait.
Bah, c'est plus du tout la même équipe, hein. Ah bah non, Ça n'a rien à voir, donc c'est new compo, hein. wait and see, wait and see. Je l'ai plus en tête, honnêtement, là. Bah t'as Yellow Star qui est resté, tu as Ogno, je sais pas quoi là en jungle, t'as Fairbeven en mid, Oui, fait Biven, ça par contre c'est bien. Fairbeven, ouais. Et t'as mon petit Steelback en ADC. Je connais pas lui. C'est un ancien de chez SK Frime. D'accord. Tout ce qui est français, moi je suis au courant. Hein. Genre, y a Ah, pas le de panda problème. il suit tout. Panda, c'est Mais le tout ce closer qui est de français. l'histoire, Après, quoi. quand ça part au-dessus de la France, c'est Pas facile à suivre, dramatique. hein. Est-ce que je prends. Oh putain, c'est une Morgana. Est-ce que je prends vraiment un Thresh? Mais oui, mais oui. J'ai confiance en toi. J'ai confiance. Bah là, du coup, je vais pas jouer Elise Mid. Hein. Ah, il veut Trinda. On n'a pas spécialement de tank, mais bon, c'est pas grave. Ok. Our rage is beyond your control. Attends, c'est toi qui vas jouer. Ah non, Non, d'accord, non, on ok. swap, on swap, on swap. D'accord. Donc en gros, Ouais. c'est un Udyr top? Ouais. Ok. Oh, ça passe. Bon, il ira jamais attraper Lucian, mais ça passe. En Ouais. speed push, c'est pas mauvais. On va voir, hein, on va voir, on va Ouais. voir. Et un GP top. Un GP top. C'est un très bon choix contre Udyr. Tout à fait. Tout à fait, Jean-Michel. Je suis d'accord avec vous. Les gens demandent de la musique. Alors, est-ce que tu as trouvé des musiques libres de droit? Bah, enfin, je vais essayer, mais en fait, j'en ai Ah, j'ai même. trouvé un super truc sur YouTube. Putain, je te le passerai. Il y a un peu de tout. C'est D'accord. cool. Ok. Ça s'appelle Acta, je sais pas quoi là. Acta Parce que ouais, en musique. fait, on n'a pas le droit de mettre de la musique qui n'est pas. Enfin, la musique qui est propriété d'autrui, tout simplement. Donc, autant vous dire que quasiment toute la musique de YouTube est propriété d'autrui. Donc, c'est un peu compliqué. Ou soit je vais la mettre très très basse. Puis on verra comment ça se passe. Report Panda for being Panda. D'accord. Un choix de Ok. Pokémon intéressant. Exactement. Incroyable. Bon, est-ce que mes mécaniques sont toujours là? On va voir. Oh, bah oui. Les mécaniques de l'opportunité. Eh oui. Vous avez pas droit à Spotify? Bah non. Hein. Malheureusement, maintenant, ça devient de plus en plus drastique, hein, ce genre de choses. Ouais, c'est Twitch qui Ouais. En fait, pose ça, tout, quoi. le fait est, c'est qu'on peut pas mettre les rediffusions, ça coupe. En fait, c'est-à-dire que c'est un peu dommage, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est normal, hein. Les gens font de la Bah, c'est musique. logique, hein. Ils ont travaillé pour les faire les musiques, donc Exactement. c'est complètement normal. Donc oui. Mais après, je sais pas comment ça se passe parce que, regarde, par exemple, moi, j'ai un compte Deezer. Mon compte Deezer, bah, je le paye parce, enfin, je le paye pas parce que, en gros, c'est j'ai un forfait Orange. Mais donc, je paye la SSM. Par rapport à ça. Ah oui, C'est logique. ça qui est bizarre. C'est que moi je peux, mais non, en fait je peux pas. Parce que Twitch, non. Mais enfin bref. Ouais, Gros c'est le bordel. bazar. C'est pas Au facile pire, à on quoi, peut c'est pas facile à gérer. chanter. Eh oui, on peut chanter. Hein. Mais oui, mais complètement, Mais et je je pense chante. que tout le monde va sortir du stream. Hein, C'est genre. possible, effectivement. On va peut-être éviter, hein, parce que les vivants, on les aime bien quand même. Restez avec nous, vous êtes bien là. C'est pas de problème. Ouais. NCS aussi. NCS. Pourquoi pas. Par contre, il y a une Irelia en face. Irelia. Ouais, ah, ils ont un late qui est quand même violent, hein. Bon, nous on n'est pas mauvais non plus, hein. Pas mauvais. On a peut-être même un late Bah, qui est surtout que supérieur au leur. Fizz qui va pouvoir manger quand même pas mal de personnes. Hein. Autant la Morgana, le Lucian et le Ziggs. Ah ouais, c'est clair. Ça va beaucoup dépendre de la top lane, à mon avis. Ah, c'est vrai, d'accord. Merci, X-Misters. Que c'est pas Panda ça? has a star. De quoi? Ah, je. Non, j'avais pas vu le chat, attends pour moi. Ouais, non, X-Mister a raison, c'est vrai que c'est la diffusion, c'est complètement différent. Ouais, moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui est très calé en droit, etc. Donc, moi, je suis les directives qu'on Il me faut que tu donne. ailles chercher Noah, il va t'en parler pendant des heures. Nostradamus. Astramamus. D'accord. J'en Il y a eu prends qui note. avant? Il y a eu Chips qui a streamé aussi tout à l'heure ou. Je crois qu'il n'y avait personne aujourd'hui sur la télé à part nous. Ouais. Du coup, je gagne contre un Ziggs, on a dit. Hein.
J'aime B. Ça me va. Je préfère Sac Raven à choisir. Allez, à la sodomie, mon ami Panda. On y va, on a pas le temps. C'est parti. Go Velko support pour la prochaine. Velko support, c'est pas spécialement un truc que j'ai beaucoup train. C'est très fort. Mais c'est très fort. Je sais, au niveau poke time, c'est plutôt pas mal. Poke, et puis ça a des dégâts qui sont juste. En fait, c'est comme un brand, mais avec plus de portée. Ah. Et plus de contrôle. Ils sont Ils sont là. Drop une ward là-dedans, s'il te plaît. Merci, t'es chou. Il est chou, cependant, il est chou. Alors, Irelia Bottle, ok. Allez, je fais une petite sieste dans les herbes là, tranquillement. Dans les herbes, carrément. Ah ouais, non, là, ici, là. Tu vois, hop. Voilà, petite sieste. Au calme. Je sais qu'il y a Lucien et le Warwick qui veillent sur moi. Donc il commence au niveau des golems. Les Aïe. Golems. Ah ouais d'accord, ah ils sont chauds hein. Ah j'ai peur. Ah mais on a rien vu. On a Le gros hook, le gros gros hook là. Il est chaud le kéké. Le kéké, le kéké. Eh non, nia. Je suis diabolique. Pour toi, quoi. Non t'inquiète. T'inquiète Barquette. I know what I'm doing. Enfin, je pense. Je pense que je sais. Bonjour, bonjour Jumper. Qu'est-ce que je mange ce soir? Je sais pas. J'ai mangé des pâtes tout à l'heure. Des pâtes aux pâtes. Et alors moi verra. J'étais au saucisson et gâteau apéro comme d'hab. Oh, oh mon dieu, c'est un fils qui joue avec 50 d'AP mais sans résistance magique. Voilà, un choix de Pokémon intéressant. Est-ce que tu as vu la petite vidéo avec le remaster des Digimon mais en mode... LOL quoi. Pas du tout. Et toi? C'est super. Ils ont tellement bien travaillé le sujet, mais c'est un truc en coréen. Hein. Ok, de toute façon, il n'y a que des coréens pour faire ça. Oui, c'est sûr. On en parle de Suisse là et... De Suisse, pardon, de Ziggs. Bon, de toute façon, le match-up, il est hyper passif. Hein. Il n'y a pas à chercher. Tant que je suis pas niveau 3, je farm. Bah ouais, genre. Hop. Genre. Ok. Alors... Non, je le tiens aux femmes. Il est... Ok, ce Ziggs est pas très très fini. Alors quand vous jouez ce match-up là, donc Fizz Ziggs, et que vous jouez Ziggs, il faut push le Fizz, mais faut pas full spam comme il fait là. Hein. Ça c'est pas une bonne idée. Tout simplement parce que là il a plus de mana. Là ma tour elle prend pas grand chose. Bon, en bot lane c'est des chauds patates mais on les a bien défense. D'accord, nice. I'm proud of you. To the moonlight. Tiens, tu vas faire Jean-Claude. Et ça c'est ça. Ok, bon ça marche bien aussi, j'avoue. Plus de flash fizz, Ziggs, oh là, j'arrive pas à te confondre. Il a plus de heal non plus d'ailleurs. By the way. Bonne jungler en face, un Warwick, ok, non, je risque pas grand chose. Ça, au niveau de la pression, c'est un peu chaud quand même. Warwick top, hein. D'accord. 10 secondes avec nous. Merde. On va le travailler au corps, ce Ziggs.
Oh. Oh, il me l'a pris! Oh bah non! Ah, oh, dommage. Bon, j'ai craqué mon ignite, mais j'ai un red buff. Tout, je sens qu'on va rigoler sur cette game. Bah, je rigole pas là, en fait. Ah ouais? Genre, ouais. Ça fait. Tant la difficulté que ça? Bah, j'ai bien start, mais là, j'ai l'impression que je prends tellement Bagdad, quoi. Ah, ce sont des choses qui arrivent. Là, mon carry AD s'en va. Ah merde, j'ai pas eu ce bien, fais chier. Ok, Ziggs a back. Ah non, il n'y a pas back. Ok. Elle a combien? Elle a 31 de farm contre 33. Tout. Oh là là. Je rappe bien bêtement. Ok, il dépouche à l'ulti, très Elle bien. est un SS de Morgana. Heureux. Ok. Tout, 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 tout. Ta ta yo yo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Chapeau. Tout à fait. Bon, on se fait un peu chier dans cette partie, hein. Ouais, c'est. Voilà, on a bien commencé, et puis bah voilà. Putain, il me manque des dégâts là, pour farmer correctement. Premier back au niveau 7, 1800 gold, est-ce qu'on en parle? Et je tiens le Ziggs au farm, s'il vous plaît. Et je suis à 1-0. Hein. On va YOLO Lichbane. Bon, il a pas son ulti Ziggs encore pendant moins 30 secondes, je pense. Ouh, elle a pris tellement cher la bitch. I'm a bitch, bitch. Mais non, pourquoi tu fais ça avec ça? J'étais là. Pourquoi t'as fait ça? Ah, genre. Bon, je l'utiliserai pas maintenant. Par contre, j'aime pas ça. Hein. On voit pas le. Il était où le jungler? D'ailleurs, je sais pas. Un Warwick en face, mec. Tu risques Donc rien. il va, ouais, il va attendre. Ah non! Oh, j'ai fait nimp. Down to the river. C'est pas bon, faut pas dive. Ça mise au mid. Hein. Là, il a son ulti. Je vais push et je vais décale. Ah, il a son bleu. C'est le monde à l'envers. C'est un fils qui push un Ziggs, quoi. SS. Vous backez là? Moi je back. Ah, mais fallait me le dire. J'aurais pas gâché tout mon mana pour essayer de décale. Ah merde. Merde, merde, das. Bah oui! Bon, c'est pas grave, y'a le bleu qui va repop. Ah, mais il me demande de décaler. Ah, mais c'est quoi ces alliés qui ont des timings en carton là? Bon, là, il a du tout récupéré comme summoner. Les gens veulent du son, hein. Je leur donne du son. Hein. Ah, bah clairement. Hein. Lucian est à 61 creep contre 64 pour Caitlyn. Elle est en forme, elle est présente. Il manquerait plus que des grappes de la part de Panda et ça serait magnifique. Très génial! Bon, là, du coup, Pour il est repassé l'instant, devant au c'est farm. pas trop ça. Bon, est-ce que je peux le tuer ce Ziggs? Je ne pense pas, malheureusement. Je déteste ce style de jeu hard push où tu fais rien d'autre, quoi. Ça décale bot. Ouais, bah, on a déjà le. Oh, dommage! Oh, t'as le jungler sur toi ou pas? Ah oui, il est en bas. Et Lucian est très très mal en point. Enfin non, la elle. Ok, plus de Ziggs encore.
Y'a un TP, y'a un TP, y'a un TP, y'a un TP. Remonte vers le mid. Ah ouais, on essaye. Ah, c'est bon, ça contre-TP. J'arrive, hein. Voilà, elle va mourir. Nice! Oh putain, genre, c'est moi qui l'ai eu. Hop, le dragon là. Putain, le Ziggs il joue poussi, mais c'est un truc de ouf! Ouais, c'est même plus une poussi à ce niveau là. Hein. Jean-Michel Crapaud. Ah, je l'ai eu! Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! J'avais pas mon timing 2! My bad. Oh, c'est joli. Ah, le tue pas. Ah, c'est le dessus. Ah, doublé! Nice, nice. Ah, j'ai fait du caca là, je m'en veux. Il s'en veut. Je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. En fait, je voulais le bait, il me manquait une demi-seconde pour mon CD. Ah merde, c'est pas cette botte là que je voulais faire. C'est, je me disais bien aussi, il y a un truc que j'avais oublié dans mon optimisation. Ah ouais, j'ai fait la crotte. La crotte! On a 5-3, c'est qui est fit chez nous? Et on a le dragon, hein. Et on a le dragon là, et on a le dragon, et moi je suis à 1-2, donc ça va. Ah, ils veulent le son de LOL, d'accord. Voilà, fallait le dire. Je vais augmenter, les gars. Ouais, peut-être que je le lise aussi, j'avoue, c'est peut-être un peu de ma faute, mais. Est-ce que je fais ça? Je décale bot. D'accord. J'ai pas mon. Vas-y, go. Go, 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 go. Go, go quand même, go quand même, go quand même. Ouais, mais. Ah, ça flash. Ouais. Oh, c'est pas grave, on fait claquer les flashs, c'est bien. Il est fou, lui. Il y a Warwick derrière. Non, mais il y va pas, mec. Ouais, il est ouf, lui. On le tente pas, le 2v2, hein. Ah, non, mais là, on a besoin de vous, en fait. Moi, je pensais que vous alliez. Oh putain, j'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur, hein. Moi, je pensais que vous alliez y aller, quoi. Bah non, mec, tu rigoles. Oh. Un Warwick. Oh, les Warwick, elle les tue, hein, les Warwick. Ouais, les Warwick, il est fort, les Warwick. La Rek'Sai, il est un peu moins forte. D'accord. Fallait un tout petit plus de stuff, mais. Léger, quoi. Ligi. Oh putain, il la malmène, quoi, genre. Non, mais je te dis, c'est pas dégueulasse, en fait... hein. Je veux dire en top lane. Ah, mais. On rage pas, pendant, ouais, on rage pas. C'est dommage, pas. C'est dommage. On rage pas. Y'a Warwick qui descend sur vous, attention, ouais. Je décale au bot, j'ai pas mon ulti. Ça sent le foin, elle vous fait tout défoncer. Je décale pas alors. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Hein. Parce que là, Caitlyn, bon, elle le dit, hein. Là, elle a vraiment foiré son top. Ça arrive, hein. Ça arrive. C'est la ligne de l'ennui au mid. Putain, je joue fils pour qu'on fasse des trucs un peu drôles, tu vois, et non pas du tout, quoi. À qui verrais-je arracher son âme? De toute façon, si on a Nudir qui est bien feed, hein, c'est cool. Hein, ah, par contre, il y a Irelia mid aussi. Ah. Voilà comment te dire que je vais pas tenir la mid lane. Comment te le dire? Bah, comme ça. Maintenant, c'est moi, ça va. Je vais pas m'en aller. Je vais toujours rester. Bon, je suis obligé de back. SS. SS. Est-ce que j'ai mon Lich Ban? Non. Alors je vais plutôt faire Lich Bane. Elle a pas compris qu'en fait il faut qu'elle prenne pas le trade. Ma petite Kitulinu. Parce que là il y a du bon burst. Hein. Il y a du bon burst. Samy Somid. Ok, ça m'est revenu. Non, il est revenu, ça. Ok, il va la retuer au top. Nya, nya, nya. Le mec, il full push tout le temps.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Warwick top. Il est dans le dur. Il a besoin, il a besoin. Ouais, j'y vais. Bon, la Caitlyn. Oh, il fait mal ce Ziggs. Ah, les bombes. Oup, je bouge plus. Je bouge plus. Fuyon. Fuyon. Ce flash in extremis pour dodge la bombe et revenir après. Je suis assez content de moi là. Non. 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 Ma lanterne n'a pas, m'a pas mis le shield. Ça c'est cool ça. Report la lanterne. Report the lantern. Report la lanterne. Bon, après lui dire il est feed, moi je suis bien aussi. Hein. Qui c'est qui est feed en face? Ah, Lucien, d'accord. Ouais, oh, ça enfin, TP, je... oh, ça TP dans leur dos. Tempête de caca incoming. On répète, tempête de caca incoming. Nice. Allez. Non, hier, il y a derrière. Oh, il l'avait pas vu. Je vais essayer. Pouvez fight, hein. Moi j'arrive, je suis un petit peu loin, mais j'arrive. Là avant le Warwick. Continue. Ah ouais, mais. Non, mais vas-y, rentre dedans plein pot, n'aie pas peur. Je peux pas. Maintenant que t'as reculé, c'est un peu compliqué. Ouais. Je vous couvre. Oh, vous l'avez tué là, tu vois. Nos soucis. Rek'Sai. Il y a une ping que le mec a tué là. Oh là, Rek'Sai, ouais, il est mauvais. Il est mauvais. Ah mais on peut pas là. Non, on est que deux. Tiens. Merci. Vous avez tué la ping. Il faut clean la ping. Ouais, je vais prendre la ping. C'est qui est là. Le stress, c'est ping. J'ai besoin d'aide. Hein. Moi je parlais pas de cette ping là, je parlais de la ping que bot. Ouais, je sais, mais faut que je dépouche ma mid lane d'abord. Il y a pas de ping ici. Mais non, elle est là. Ah ouais, d'accord, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle... Non, parce qu'en fait je voyais ma ping, mais je voyais pas la ping à dash. Ouais, j'ai vu. Y'a pas de ping. T'as une ward à dropper sur le dragon pour le favor ou pas? Ah ouais, je vais le faire. Parce que là on voit rien, y'a Warwick qui décale sur vous. Hein. Go le Warwick. Lanterne s'il te plaît. Bah ouais, mais la Caitlyn, je te dis, elle est pas terrible. Hein. Mec, moi juste une lanterne la prochaine fois. Ouais, en fait, tu l'as mise à lanterne, t'étais là, j'étais là. Ouais. Donc ça, ouais, ouais. Mais le Rek'Sai, le problème c'est que Rek'Sai en plus il met un ulti ici alors qu'il y a le mec qui est là. Je suis d'accord avec toi. Chaud, quoi. Mais ouais, fais gaffe juste... hein, parce que fais pas confiance à la Caitlyn parce qu'elle est, vraiment mauvaise. Hein. Ouais, j'ai vu ça. J'avoue ça. Allez, go tout de suite. Pourquoi il fait ça? Il l'a pas pris. C'est bizarre, dommage. Ouais, c'était bizarre. Je sens la grosse partie encore qui va arriver. Tu as la poisse. Bah là, j'avoue que... Ouais. Oh, dommage. Oh. J'ai 10 secondes, 10 secondes avant mon fiche. Hein. Je vais recouper la retraite. Oh là. Allez, elle peut le tuer. Elle peut pas le tuer. Triplé du Ziggs, ah bon. Eh oui, mais je Ah bon. Le problème c'est cette Caitlyn. Oh là là. Ouais, non, elle est là. Oh là 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 là. Oh lol. Oh, comment elle nous a reboot! On a tellement craché sur lui, il a tellement fait le taf! Ouais, bon, il a fait le cul quoi! Énorme quoi! Il a presque cul! Par contre, Ziggs à 7-3, bon, est-ce qu'on en parle quoi? Lucien 4-2, pfff! Ouais, bouge pas, pendant. Ne jamais push la lane de ton mid laner quand t'es support! Juste, tu la cites pour défendre, mais tu la pushes jamais!
Que là, du coup, en fait, la ligne, elle va avancer vers Ziggs et regarde la ligne du mid là. Et là, tu vois, tu viens de me faire perdre 10 de farm. Il fait l'équivalent de 250 gold à peu près. Bon, le Udyr, il fait le taf quand même. Ouais, le Udyr fait le taf, mais c'est le Rek'Sai et la Caitlyn qui sont. Bon, moi, je suis à 1-4, hein, c'est pas non plus des bases. Donc ils ont un Drake, on a un Drake, on a 14-17, on a un Ziggs complètement fumé. Bah là le Ziggs ça va être dur, ouais. Ouais, le Warwick il fait beaucoup plus la diff que la Rek'Sai pour l'instant. Prends là cette putain de... Oui, il y a Radio. La Caitlyn elle est dégueulasse. Oh là là, ils sont deux au mid. Elle est dégueulasse. Ils sont deux au mid, je peux pas trop les sentir. Ah, c'est bon. Oh, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Oh là là. Oh, elle est trop dégueulasse. Oh putain, j'arrête pas de le dire. Quoi, Fizz? Quoi, Fizz? Bon! Eh, mais c'est un truc de ouf en ce moment. Ouais, ouais. Game pourri, quoi. C'est quand la nouvelle saison? Oh, il a heal! Oh, il a encore le heal, fait chier. Tiens, je voulais prendre le shutdown. Je suis lag. Bah, là, c'est même pas un throw, c'est que là, on est. Ils ont un lag qui est très puissant. Hein. Enfin, nous, il est pas mauvais, le nôtre est pas mauvais non plus, mais. Enfin, bref. On va juste jouer, on va pas s'agacer. Tranquillement, la vie est belle. Tranquillement, mode tranquillax. Moi, ce qui m'embête, c'est que le Fizz, enfin le Ziggs, je l'ai très bien tenu en face de lane et que là maintenant il est complètement. On la défonce, t'as cette tower là. Et... Bah, je sais pas, je suis mort moi, donc vous faites comme vous voulez. Là, je suis bloqué dans mon DFG, et j'arrive pas à économiser des golds pour la baguette trop grosse. Ouf. J'avoue que la Rek'Sai nous a bien reboot quoi. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Oui. Très mauvaise idée. Alors pourquoi tu y vas si tu dis que c'est une très mauvaise idée, mec? Ouais, mais en fait, après, c'était une bonne idée. Bah non. À quelle heure? Non, ok, d'accord. Mais tu m'as tellement bait, quoi. C'est une très très mauvaise idée, alors du coup, je vais rentrer dedans. Non. Non, mais alors là, par contre, là, c'est la merde plus 10, quoi. J'ai foiré, ah ouais, là, là pour là, je t'adore, mais là, j'avoue que t'as bien fait de la merde. Là, pour tenir un Ziggs, Ziggs du ciel en termes de poc, de push, bonjour quoi. Bon, allez, je vais me rattraper. Ah non, je la prends. Oh, je la prends, merde. Oh, joli, ça c'était joli. Ah, c'est de ma faute, là j'aurais jamais dû prendre cette pièce. Il fait tellement mal. Bah attends, je start sur un 2-1 et je suis à 2-5 là. What the fuck? Oh, joli. Dommage. What? Non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Putain, mais t'as vu comme elle mais est. Vous êtes sérieux? Mais c'est la Caitlyn qui est tellement dégueulasse. Oh là là, mais vous êtes sérieux? Mais la Caitlyn, je sais pas ce qu'elle fait! Mais mec, mes yeux me brûlent! Genre, mais ma cornée est en train de se déchiqueter tellement ça me pique les yeux ce que je vois. C'est tellement ouf. Mais what the fuck? Non, mais le Fizz, il est tellement feed quoi! Mais non, même le vrai. Warwick, regarde le Warwick! Non, mais je sais, je. Ah, mais si personne me laisse fermer, par contre, ça va être dur. Mais vous êtes sérieux quoi? Franchement, j'en reviens pas. Bon, il y a le Drake dans 8 secondes. Ah, cool. Enfin, là, là, mec, si on repère un teamfight, on a perdu. Hein. Mais non. Ah, si, si. T'as une autre ward à mettre? Bah, ouais, mais je vais peut-être attendre en fait.
lui dire avec nous. Hein. Là, le crâne, c'est bien. Bon, mais qu'il en est où? What the fuck, les dégâts! Ouais, non, mais. Non, mais faut pas te coller au mur. Hein. Faut que tu tentes un hook, faut tenter quelque chose, mais. On a eu le dragon. Hein. Et j'ai eu le. Et on a eu le Lucien. Et on va avoir le Ziggs. Non. Enfin, peut-être pas. Allez lui dire! Allez lui dire de tout ce que t'as, mec! T'es un ours ou t'es pas un ours? Oh le génie! Oh le génie! Est-ce que c'est un ace qu'on peut score? Regarde, elle va se retuer. Elle va se... Non, elle va se retuer. Regarde, bon, regarde. T'es mauvaise, non. Regarde, elle va se mauvaise, non. T'es mauvaise, non. Elle est nulle! Elle est nulle! Elle est nulle! Elle est tellement nulle! Oh là 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 là! Oh mon dieu, mes yeux, ma brûle! Je vais avoir mon opticien, l'ophtalmo, demain, il va me dire: monsieur, vous avez les yeux qui sont brûlés. Bah non mais. Ah mais elle est à 7-5 la Caitlyn! Oui, mais elle est à 7-5 parce qu'elle grappille les kills, mais elle est dégueulasse! Elle est dégueulasse! Ah oh là, j'avoue que c'est dur! Wow. De fuck quoi. Genre j'ai pas vu la ward quoi. On a eu le Drake. Ouais, on a eu le Drake. Mais elle est sérieuse elle. Oh mon dieu. Ok, on reste tranquille, c'est une bonne journée, la vie est belle. Là là là, on a des coéquipiers compétents. La compétence. La des, compétence. Des coéquipiers là. Bon, j'ai le DFG, ça va aller un peu mieux. Jean-Marc, il est présent. Back. Comment vous fightez là? Mais je sais pas en fait. Mais qu'est-ce que tu fais? En fait, Rexha il me dit go in. Mais non, mais mec, moi, regarde. Je go in, et regarde après, ta mini map. Bah non, en fait, fallait pas go in, qu'est-ce que t'as foutu? Je pense pas que ça soit la meilleure chose. Oh là là, il fait trop mal. Ah ouais, mec, c'est normal. Le mec est quand même à 11-3. Hein. J'avais oublié que j'avais un DFG. J'ai bête. Ah oui, non, ça va être même dingue. Faut pas s'en aller. Bah, le problème, c'est que là pour l'instant, j'ai pas les dégâts pour one shot et redash out. Et j'ai pas encore de Zonia. Donc, je suis un peu office de tank vu que toi tu fonds et. Parce que sinon, ça ils font. Ouais, là il nous faut même deux là, je pense. Ils nous en foutent. Panda Bronze Player. Et alors, au fait, les gars là, ceux qui sont pas contents, qui machin, what the fuck, ce coach il a 2-7, donnez 900 heures de cours sur Egwene School et on en reparle après. Regarde, okay. Allez, go la fumée, go faire les trucs. Je peux rien faire. Ah, le Udyr il flanque, c'est pas mal. Oh, joli ça. C'est joli. La Irelia elle revient aussi. Hein. Oh le Ziggs! Oh le Ziggs! ITP. Le problème c'est qu'il y a la Irelia qui speed push au bot. Ouais, ouais, mais moi je veux le Ziggs. Parce qu'il a mis le Ziggs! De fuck! On peut aller Nashor, hein? Non. Pourquoi? Non. Parce qu'il y a Irelia de up, il y a Lucian de up, il y a Morgana qui repop et il y a Warwick qui up également. Et parce que ça push bot aussi. C'est une mauvaise idée, hein. Ah, c'est une super mauvaise idée, hein. Vous allez vous faire défoncer. Nice, bien joué. Oh là là. Nice, bien joué. Bon alors c'était quoi? C'était pas un bon call? Bah franchement, si Warwick était venu en même temps... Ah tu vois le Warwick là? Donc je maintiens. C'est pas un call fou. Bon après derrière ça me permet de split push donc ça c'est bien. Ils ont beaucoup d'avance. Idée, on y va quand même. C'est ça. J'ai vu une opportunité sur cette action. Ah, j'aurais dû faire Rabadon, j'aurais pas dû faire DFG. J'ai fait une erreur.
Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars le petit dégât en faisant un bâton du vide ou est-ce que je prends une option safe en prenant un Zonia? Moi j'ai envie de dire qu'il y a que les dégâts. Enfin, il y a que ça de vrai avec les dégâts. Hop. Par contre, le problème c'est qu'on pourra jamais les push quoi. Ça va être. Oh, mais il a combien? Attends, il a 4 items de fin déjà là? Oh la vache. Tout, 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 tout. Elle va se faire prendre encore. Oh, top, 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 faut follow up, top, faut follow up, top. Je vais en top. Whoop, whoop, whoop. Fuyons, 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 fuyons. Mec, mec, on est que 3. Fuyons. Fuyez, pauvre fou. C'est pas notre avantage pas... Hein, de rester là. Hein. Honnêtement, pas du tout même. Oh les claques qu'il met lui. Eh, le Drake il est open les gars. Oh putain, mon trop tard. Oh ça fight là? Ouais, ça fight. Je lui ai mis tout mieux aux X, je lui ai mis mid-life quoi. Oh putain. Mais what the fuck, pourquoi tu restes là? Pourquoi tu restes là? On peut même pas parler. Non non, on peut pas, on a pas de jungler. Ah si, on a eu dire qu'il fait beaucoup de dégâts déjà. Mais mec, on a pas de smite. Ah ouais, mais regarde. Ah ouais, mais là, si le Warwick vient, il nous le vole. Là, le Warwick il arrive comme une fleur, il nous le vole. Go DPS vite. Voilà. On a, franchement, ça, c'est trop le call bronze. Franchement. Vous jouez avec le feu depuis tout à l'heure. On joue avec le feu, mais ça marche. Ça marche tellement bien qu'il y a un Fizz et un Ziggs à 11-4 en face. Ah putain, cette game. Ah ouais, non, non, mais. En fait, depuis la fin là, de la pré-saison, enfin, vu qu'on approche de la fin de la pré-saison, les gens ils se disent rien à battre. Je peux trash comme je veux, je peux jouer n'importe comment. Et ça se ressent vachement quoi. Parce que ne serait-ce qu'il y a 2 semaines, c'était pas comme ça niveau jeu. Là, genre, tu vois, par exemple, t'as Raxa, il vient de me repiquer, tu farmes. Je suis déjà dans le mal depuis tout à l'heure. Ça a pas l'air de s'arrangeant. Les gens comprennent pas qu'il faut. Tu m'envoies du rêve, Panda. Bah écoute. Tempête de rêve. Les gens comprennent pas qu'il faut continuer à bien. What? Jean-Michel Crapaud. Non. Ah, il fait Lich Bane. Là, enfin, avec la Caitlyn, je vais plus toucher un farm quoi. En fait, elle sait pas farmer, donc c'est bon. Mais... Ah. Ouais, non, mais je peux pas y aller. Il est en train de te donner. Oh, pop. Ouais, mais là j'étais en train de tuer la Morgana en fait. Merde! What? Pourquoi ça a fait. Oh lolo, il y a eu un bug. J'ai eu un bug. Bon. Bon. Non, on a. Enfin, on remontera pas là. On aura. Mais si, pas. Mais si. Malheureusement, non, parce que là. Enfin, en fait, ils ont une équipe qui est très complète. Ils ont du tank, ils ont de l'assassin, ils ont du DPS mono-cible, ils ont du DPS multi-cible. Alors que nous, on a que du dégâts mono-cible quasiment. Et en plus, on n'a pas vraiment de frontline. La Rek'Sai, elle est tanky maintenant, mais elle a 5-12, donc elle est niveau 16, enfin elle a la bourre. Derrière le Udyr, malheureusement, il se fait kite au bout du monde. Et moi, dès que j'essaie de go in, je me fais. Bah, tu vois ce qui s'est passé quoi. Je me fais pile, je me fais défoncer quoi. Enfin, la Irelia elle défonce en 1-1 le Udyr maintenant, je pense. À cause du buff Nashor. Merci Panda. Le Ziggs faut vraiment l'intercepter quoi. Bah, je l'ai fait tout à l'heure, je lui ai mis de life quoi, c'est tout. Oui, qu'il y a de la flash. Vite. Oh, dommage. C'est dommage. Ah, j'ai vu.
mais non, mais. Mais le Rek'Sai, quoi. Oh, le déchet humain, quoi. Ah, j'ai pas la range. J'ai pas la range, je peux pas aller chercher le Lucian. Et elle se fait avoir comme une bleue, quoi. Ils ont. Enfin, je te dis, on ne le remontera pas là. Enfin, c'est impensable. Honnêtement, on part sur 2-0, on est trop bien. Et ça fait nawak de tous les côtés. Et le Ziggs, il récupère je sais pas combien de centaines de milliers de kills partout. Ouais. Bon, c'est pas grave, on fera la revanche après. On fera la revanche après. J'essaierai de reprendre Fizz. Ah, tu vois, ils font. Hein. Ils font complètement. Allez là. Nice. Double kill de. Double kill quand même, incroyable enfin, pas, mais... Tu l'as. Non, hein. Oh, je l'ai, je pense. J'ai oublié de flasher pour un support, quoi. Ça m'agace ce genre de game. Ouais. En fait, là j'avais deux options. J'avais deux options. Soit j'essaye. Donc, option numéro 1, celle que j'ai choisie. Soit j'essaye de faire ce que je peux pour qu'on essaie de win quand même, malgré le fait que ça ressemble absolument à rien. Et du coup, bah, quitte à mourir. Soit je joue le KDA et j'aurais fait ma poussie toute la game. Et. On est à 35-42, hein. Bon teamfight bien négocié, hein. Ça peut changer, hein. En fait, le problème, c'est que je peux pas accéder à leur backline. On a rien pour les bloquer le temps que je parcours la distance qu'il faut. Il y a le Lucian, il a un Black Shield sur la tête. Il y a une Morgana au passage qui peut mettre un ulti, qui peut mettre une cage. Il y a un Warwick qui peut multi aussi. Il y a trop de choses. C'est ça le problème, tu vois. Le truc, c'est que là, depuis tout à l'heure, je tourne des moves. Du coup, je suis à 3-9. Je suis à 3-9-12. Donc, je suis quand même sur 20. Je suis quand même sur 15 kills sur les 35. Et derrière, la Rek'Sai, elle a 6-13. Ah mais le Rek'Sai et la Caitlyn sont dégueulasses, quoi. Moi je mets pas spécialement de Hoog, mais bon je suis à 5-10, quoi. Ouais, t'es à 5-10. Enfin, en fait le truc c'est ça, c'est que j'ai pas un kill. Il m'aurait fallu juste un petit peu de kill, tu vois. Ouais, ouais, bah ouais, j'imagine. Ce serait bien passé, mais... Alors, parce qu'en plus je les ai eu au début, hein. Et il manquait pas grand chose pour le tuer, le Ziggs, à chaque fois en face de lane, mais... Et Morgana est partie sur du stuff AP, hein. Ouais, bah ouais, mais ça m'étonne pas. Enfin, je suis tellement en galère de farm, en fait. Oh, faut que je back là. Là il me faut un Zhonya. Il faut un Zhonya et un Abyssal. Il me faut un Zhonya. Bah, en fait le truc c'est que pour l'instant à cause du Black Shield j'ai pas les dégâts pour tuer quelqu'un. C'est pour ça que je suis obligé de faire DFG et bâton du vide. Mec, faut que tu viennes avec nous, hein, y'a le Drake, hein. Ouais bah j'arrive. J'arrive, mais moi j'étais obligé de back. Prends la lanterne. Prends la lanterne, prends la lanterne, prends la lanterne, la lanterne, la lanterne. Oh, oh les déchets. Ah fils, enfin ouais. Ah ouais carrément. Ah. Il y a l'ulti de Warwick qui a été calé déjà ou pas? Je pense pas, non. T'en laissais tout seul, hein. Oh putain. Merci mec. Oh je meurs. Oh j'aurais dû mettre Ignite. Ah il me manque des dégâts. Pourtant j'ai quand même le corps en build qui fait le plus de dégâts sur Fizz, mais j'en ai pas assez. Ouais, Zhonya ou pas, je serais mort. Non, et là, il y a un moment donné, en fait, peu importe l'optimisation que vous faites. Moi, je vais enlever son putain de. Vous pouvez pas forcément remonter, hein. Là, c'est quand même particulièrement dur comme game, quoi. Nice. Bon, va falloir défendre là, hein. Sinon, on va avoir un problème au niveau du. Au niveau du Nexus, si tu vois ce que je veux dire. Le Nexus, comme on l'appelle au portugais. Ouais. C'est bien que j'ai pas eu un kill. C'est ouf. Ouais, j'avoue que le 3-13. Parce qu'en plus, je pars sur un. Pas mal. Je pars sur un 1-0-1.
Genre la Rek'Sai est plus haut niveau que moi quoi, c'est un sans dilon je trouve. Enfin c'est pas grave, si jamais ça vous arrive de faire des games comme ça, parce que faut pas se leurrer, ça arrive à tout le monde d'avoir une mauvaise partie. Essayez de rester concentré le plus longtemps possible. C'est de ne pas craquer dans la facilité à flame tout le monde. Et puis essayez de faire votre taf, hein. Là je vais certainement encore remourir en chaîne. Je vais essayer quand même de one shot le Ziggs. On a une qui repop. Nashor, c'est pas un commentaire repop. Faudrait qu'on tente des catchs, faudrait qu'on tente des petits trucs, tu vois, genre là sur Lucian Skin QSS. Non. Tiens, même Lucian il est d'AMR. Oh mec, si j'arrive à choper le Lucian. Ah merde, oh, pourquoi tu le prends panda? Oh. Putain mais merde, c'est pas possible. C'est pas possible, cette game me pète les couilles. En plus je flash pour le récupérer quoi. Allez pendant ce temps là, la Caitlyn. Ah mais on l'a tué, mais oh, c'est ça qu'il fallait qu'on fasse, fallait tenter les petits catchs. Oh la déception, en plus je craque le flash pour le prendre. Ah je suis déçu là. La déception. Panda OP. Bon, ça speed push. Je suis même pas sûr qu'avec Zonia ça aille mieux. Mais où va-t-on aller? Mais où va-t-on aller? Comme tu dis. Comme tu dis. Bah j'avoue que pas de kill, plus le flash, plus le fait de mourir mentalement, c'est pas évident. Faut être serein dans ces cas-là. Lucien il a combien? 9-9. Il y a beaucoup de morts partout quand même. Beaucoup de morts partout. 18-5, hein. Eh, je parie que si je grabe le putain de Ziggs, on gagne le game. Il a un Zonia. Mais ouais. Enfin, s'il prend mass control, son Zonia il va falloir qu'il clique vite. Ah, il y a un GA en plus là. Il y a un GA sur Lucian. Et si Caitlyn arrête de se prendre les cages aussi, ça serait cool. Ouais, mais on peut pas agir sur nos coéquipiers. C'était close ça. Il nous faut Udyr. Hein. C'est Udyr qui peut faire le taf. Sans lui dire, on a aucune chance. Ah, le Warwick, c'est un world boss. Hein. Warwick, clairement, c'est un world boss. Tu peux voir des par là, s'il te plaît, Panda? S'il te plaît. Ah ouais. Ouais, mais. Ah, il faut que tu tentes un hook, faut que tu tentes quelque chose. Ouais, je sais bien, mais. Tant que le Warwick est un peu sur le côté. Oh putain, je prends tellement cher. Un peu de ça. Ok, nice. Faut fight là, faut fight. Je l'ai, j'en ai un. Ouais, mais tu vois, je DFG. Oh là là, le Lich Bane. Oh putain. Ouais, on a rien. On a plus rien. Oh, joli look. Nice, mec. Je vais pas faire mieux. Ah non mais on a trop de retard. On a trop de retard. Mais, là la Caitlyn elle va se prendre un putain de ban. Non mais mec elle a été mauvaise, c'est pas une raison valable de reporter les gens. Tellement mauvaise quoi, genre. Ouais mais c'est pas une raison pour reporter les gens. C'est pas illégal d'être mauvais. C'est illégal d'être mauvais, c'est une nouvelle règle qu'on vient d'instaurer. Non mais c'est pas grave, enfin. C'est un jeu, faut relativiser à un moment donné aussi. Ah non, mais c'est clair, mais c'est ouf quoi. C'est ouf comment elle a pris toutes les cages. Genre. Ouais, mais c'est. Ça fait partie du jeu. Faut faire avec. Faut faire avec, malheureusement. Bon, j'avoue que c'était bien. Oh, je suis démote. Allez! Démote plat 3. Champagne, tout à fait. Oh, j'ai pas fait des. Franchement, j'ai servi à rien sur la partie. Quoi. Franchement, c'est rare, mais là, je me suis vraiment senti impuissant sur cette game. Quoi. Impuissant, ouais. Bah. En early,
Tu vois, on va regarder un peu la feuille des matchs. La feuille du match, pardon, parce que c'est quand même un... Enfin, c'est intéressant. Hop. Tac, je vous la mets sur XSplit. Faut juste que ça charge. Parce que je pars bien. Je le tue pas en lane. Mais je lui fais tout craquer au niveau 3. Il a plus de flash, il a plus de heal. Je le tiens au farm jusqu'à 115 creeps, je crois. Et après, en fait, c'est quand il a commencé à mettre des ultis au bot, etc., que ça a senti le foin. Bah après, ouais, mais le truc, c'est que vu que Caitlyn se prenait toutes les cages, enfin vraiment, hein, en bot lane, c'était un truc de barge, bah je pouvais pas spécialement être libre de bien grab, parce que je me dis, putain, si je grab et l'hôtesse prend la cage, bah ça ouais, sert mais à rien. Ouais, mais t'es pas assistant social, hein. Ouais, mais je dois lui... C'est moi qui dois lui apporter la win sur sa lane, c'est pas... Non, et Thresh, c'est un personnage qui est fait pour agresser, c'est pas un personnage... Enfin, c'est pas mauvais défensivement parlant, mais comment dire, c'est plus fait pour agresser. Mon main, il est D4, les gars. Voilà, pour ceux qui se posent la question. Et c'est des maths aussi? Non, il est pas des maths. Ah, il a up, en fait. Ouais, il a up, ouais. Oh, ouais. D'accord. Non, carrément. Bon, tant pis, ça charge pas la feuille de match. En fait, c'est vraiment sur le début des phases de teamfight, le Ziggs, il a récupéré plein de kills, alors que moi, j'en ai pas eu. Et puis du coup, ça a snowball parce que la Rek'Sai en mid-game, elle était déjà morte plus de 10 fois, quoi. Quand moi j'étais mort 5 fois, la Rek'Sai était morte plus de 10 fois. Ah, parce que regarde, le Ziggs, il a 26, quoi, genre. Bah ouais, non mais bah, c'est normal. Après, le truc, il a tout ce qu'il faut. Il a le stuff qu'il lui faut pour faire des dégâts. Et il a 3 tanks devant lui. Il a Warwick, il a Irelia et il a Morgana. Morgana, c'est pas un tank exactement, c'est juste le principe. Bah, j'ai essayé de roam, hein. J'ai essayé de roam Mahou. Si tu te souviens, j'ai décalé 2 ou 3 fois en bot. On fait craquer un flash. Il y a une fois où là, on se comprend mal sur la lanterne, et la troisième fois, c'était sur les dragons. Et ça a pas payé non plus. Ouais, c'est ça, je up en diamant, je demote en plate. Ça en dit long, je trouve. Après, j'ai pas eu de. Malheureusement, au niveau du farm, ça a été dur de suivre. Puis, ouais. Un Ziggs, de toute façon, en fait, au bout d'un moment, quand il a son calice, il a juste à tard push et puis il est toujours safe, tu peux pas l'agresser. Donc voilà. Hein. Enfin, bon, c'est des choses. On va se faire une petite coupure pub panda et puis on recommence. Ouais. Ok. À tout de suite. Allez, à toutes. Oh, messieurs, dames. Alors, on est reparti. Bon, on va pas s'arrêter là-dessus. On s'en va les couleurs tag. Et je m'en fous après, je continuerai après sur mon stream perso, je pense. Ok. Je veux du sang et des larmes. Du sang et des larmes. Ouais, après, pour recentrer un petit peu le débat, parce que je vois sur le chat, ça parle un petit peu dans tous les sens. Le but du jeu, enfin le but de ce stream, c'est de passer un bon moment en fait. Moi, j'ai jamais revendiqué que j'étais challenger, Panda non plus. On est là pour essayer de vous faire découvrir des choses, apprendre des trucs en s'amusant. Voilà, c'est la bonne humeur. Si vous voulez voir des trucs compétitifs, bah, y a d'autres streams qui sont faits pour ça. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Il n'y a que des solutions. Tout à fait, Panda, tu as bien raison. Il n'y a que des solutions. Et puis, je pense que tout le monde a déjà fait l'IM pourri. J'avoue. Je viens de rentrer dans la boutique. Qu'est-ce qu'il y a à la boutique? Rebonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Alors du coup, faut que je change mon smurf, enfin mon titre, parce que... Du coup, je ne suis plus en plate 2, je me suis fait démote en plate 3 sur ce smurf-là. Tu es au même titre que moi, en fin de compte. Mais c'est marrant parce que... Alors, je vais peut-être pas prendre l'exemple de ces 2 derniers jours, mais la semaine dernière, tu vois, j'ai tryhard à peu près autant sur mon smurf, donc sur celui-ci, et sur mon main. Et sur mon main, je suis monté diamant 4, franchement, sans trop galérer. Ouais. Genre j'ai dû finir, enfin sur les 20 dernières games sur mon main je suis à 60-65% de win rate, alors que là je dois avoisiner les 40% en platine. Et pourtant tu vois j'ai pas changé spécialement de niveau de jeu quoi. Donc c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant. Ouais non mais voilà. C'est des phases hein, je pense. Que c'est plus... Ah ouais ouais. Après, enfin quand on est diamant on est dans le top 1% des meilleurs joueurs donc si j'y suis, en plus je suis D4, je suis pas D5, donc je pense que c'est pas pour rien non plus. Moi je suis dans le top 5%, 10% je crois, c'est ça? Plate. Ça dépend. Moi je suis top 3. Bah ça doit être top 3 ou 4% en plate 3. Ok. 3 ou 4%, ça va. Je suis fort content. Tu es fort content! Il est fort content. Nous sommes fort contents.
Ah, salut 13, comment vas-tu? Ouais, ça arrive à tout le monde les mauvaises séries, hein. Ça arrive à tout le monde. Hop, allez, on est parti. Moi, Ça je suis calme, hein. On va partir au mid. J'aimerais bien ressortir fils. Quand on tombe de cheval, il faut remonter en selle tout de suite. Plate 1 2 supérieur à James. Ouais. Hop. Faut que je rename mon second. Je trouve que c'est moche et Lismurf. Waouh. Je pense que je vais l'appeler Ornithorynque. Ornithorynque. J'aime bien. Ou Cucurbitacé. Je trouve que cucurbitacé, c'est un mot qui est pas assez utilisé dans la langue française. Ouais, bronze 3, c'est top 97%, c'est ça. Ah, c'est ouf ça. Ce soir, je pense que je vais pas manger. J'ai plus de thunes, j'ai plus de bouffe. C'est la merde. Et oui, quand tu tombes sur du poisson, faut repartir à la pêche. Je suis d'accord. Exactement. Pendant qu'on a un bug. Alors, dans le premier palier de l'arbre défensif, il vaut mieux prendre plus 2 régène PV ou 5% d'armure de RM. En gros, tu prends en récupération, donc c'est la régène sur tout ce qui va être DPS, et tu prends armure enchantée, donc le pourcentage d'armure de résistance magique sur tout ce qui va être tank. Ça bug ou c'est moi? Non, c'est toi. Moi je vois qu'un champion. Hein. Ah, pantoufle, c'est pas mal aussi. Ah. Je pense que je vais faire un. Je vais demander l'avis des viewers et je ferai ça sur Twitter tout à l'heure et je vais rename. Le mec qui ça lui prend des envies de rename comme des envies de pisser quoi. Aujourd'hui je rename, c'est parti, c'est la fête. C'est quoi les bans? Honnêtement, il n'y a pas trop de trucs à ban en ce moment. À part Non mais parce que en fait Gnar. moi j'ai que Irelia en tant que ban là. Ah d'accord. Ah bah il y a Irelia, Rek'Sai Leblanc, Azir, Lissandra, Morgana. C'est gentil Piltou, mais je veux se cotiser. D'accord. En tout cas, si vous voulez filer votre soutien au gaming, le meilleur moyen, c'est de désactiver Adblock et de vous abonner. C'est vraiment le meilleur moyen qu'il y a pour vous de nous filer votre soutien. D'ailleurs, il faut vraiment que je configure Twitch Alert. Hein. Ouais. Ça, c'est. Subalerte, c'est mieux. Ouais, ou sub alerte. Ah, bah voilà. Je commence à. En fait, je vois tout en décalé. Ah, d'accord. Attends, les bans, c'est Irelia, Rek'Sai Leblanc et Azir Lissandra. Je suis au même compte à rebours que toi. Redis-moi ça doucement. Irelia, Rek'Sai Leblanc, Azir Lissandra. Ouais, c'est ça. D'accord. Parce que ça faisait au moins une bonne minute que je voyais pas les bans. D'accord. Ils s'annonçaient pas. D'accord. Ouais, pourquoi pas. Morgana était bonne, non. Bah, tu peux nous ressortir un trèche des familles, là. Ouais, un bon trash cette fois. On va manquer de dégâts à D là, par contre. Hein. Il faut qu'il nous sorte un. Genre là, il nous sort un Gnarltop, c'est parfait. Attends, 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 attends. Ça rebug. Sérieux? Ouais, je te jure. Là, en gros, je vois pas qui a pris quoi. Genre, est-ce que l'invocateur 1 a pris un truc là? Oui. Il y a Ez, Amumu et Fils de pique de notre côté. D'accord. Oula, Il y a oula. Oh Garen. putain. C'est une Janna? Ouais, en face, ouais. Mais prends Thresh, mec, réfléchis pas. Ouais, je peux pas le sélectionner en fait. Il y a une attaque de Deos ou quoi là? Je sais pas. Pourquoi Genre il prend Garen. Garen alors qu'il y a Gnar? Oh non! Oh non! Oh non! Pourquoi Garen? Oh non! En fait, je pense que tout le monde pensait qu'Ezreal était AD carry. En fait, il voulait jouer mid pour lui. On va lui demander gentiment, on va espérer qu'il accepte. Oh mon Genre, dieu. c'est un nom caractère. Mais please. Ezreal AP mid, c'est pas viable. Allez, on continue. On continue dans la loose streak. On Allez! continue, tout va bien. Sachant qu'Eli a une étoile. La vie est belle. La vie est belle. Bah on va se faire une duo lane fist Thresh mec. Ça va être sympa. Le truc du
On va bien rigoler. Ça va être. J'ai déjà hâte de la jouer cette partie-là. Ça va être tellement cool. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ta. On va briquer la méta, mec. Genre, le mec va se faire défoncer en mid. On s'en trouve, il va l'ouvrir, tu vois. Mais on peut gagner, hein. On peut gagner. Ah non, mais ça, on peut gagner. Oh, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Genre, mais il va falloir faire gaffe, quoi. C'est ça. Surtout que là, niveau. Bon, ils ont pas une compo super tanky, mais putain. Non, mais ouais, on a une... notre compo est bien meilleure que la leur. Ce serait juste bien que les Ezreal ils jouent bot quoi. Qu'ils jouent AD ou AP, on s'en fout, juste qu'ils jouent bot. Ouais. Et ça serait mieux qu'ils jouent AD parce qu'on a clairement pas de dégâts physiques quoi. Trash ADC, non mais non. Non. Non, non, non. En face, il y a quand même double assassin. Hein. Ça va être sympa aussi. Hikei Panda chez LDLC, bah oui, pourquoi c'est quoi cette question là c'est logique, ouais. Wesh. Du fait petit cœur et tout. Ah ouais, d'accord, le mec joue AP jusqu'au bout du monde, quoi. Allez, 3000, c'est parti, ça va faire d'Azo 6. Allez, 4000. Allez, je vais le jouer au Bulls. C'est ma mid lane. Ah, sinon j'irai bot. Agaren, il est chaud pour jouer bot. Agaren, quoi. Non, ça fait plus qu'un an que je suis chez le DLC, ça fait 2 ans et demi. Not interested. Allez, la vision sur ma ward ici. You're boring. Ah, je vais y aller au bot, je vais y aller. Allez, viens, mec. On va jouer au bot. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pas grave. On s'énerve pas. Nous sommes sur un jeu vidéo, messieurs, mais les jeux vidéo, ça sert à se faire plaisir, à passer un bon moment. Oui, mais on est en ranked et nous, en ranked, on veut gagner. Effectivement. Les ranked, c'est fait pour jouer en mode compétitif. Ouais. Moi, je suis trop bolo, j'ai pris Ezreal, quoi. Non mais c'est vrai que c'est aussi de ma faute, j'aurais dû voir qu'il avait écrit qu'il était AP. En fait je lisais le chat en même temps, du coup je pouvais pas tout voir. C'est de la faute au public. Non, mais non, non, non. Le public, à mort. Report le public, fais proc tes targons s'il te plaît. Bah ouais, mais tu sais que je suis très nul. Ah putain, ouais, c'est clair. Non, vas-y, recule, c'est pas grave. Tu fais proc ton targon sur le prochain mêlée. Tu as 48 d'AD, tu attends qu'il ait 48 points de vie ou moins. Comment je vois qu'il a 48? Ah oui. Tu cliques gauche dessus, tout simplement. C'est fait. Voilà, drop ta ward dans le bush s'il te plaît. C'est déjà fait, je l'ai le targon, le targon, le targon. Oui, mais je peux pas, elle m'a zoné. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse le targon? Je sens qu'on va beaucoup rigoler. On va beaucoup rire, messieurs dames. On va rigoler. On va rigoler. On va rigoler. Le premier mêlée. Oh. Ah ouais, non, en fait t'es complètement perdu avec ton targon. Ah mais moi je te dis, hein, le level 1 je suis nul avec le targon, je sais très bien je suis nul. Par contre le level 2, alors par contre elle va prendre cher. Hein. Pourquoi tu starts au hook aussi? Ah la flash et tout, nickel, nickel. Alors, pourquoi t'es un génie. Mec, tu te concentres et tu me prends le gros au targon s'il te plaît. Je peux pas. Mais si pas tu peux. Mais non, je peux pas. On va faire un truc, je vais te dire quand il faut que tu auto-attaques. Parce que là, du coup, niveau farm, c'est quand même bien la merde. Oh, genre. Save ton mana, on n'a pas besoin d'agri... Mais... Panda! Panda, calme-toi.
Panda, calme-toi, tu fais n'importe quoi là. J'ai faim, j'ai faim. T'as plus de mana, t'as plus rien là. Calme-toi, chaque chose en son temps. Tu vois le premier mêlé là? Ouais. Vas-y, auto-hit-le. Voilà. Très bien. Le petit là, celui qui va mourir. T'es prêt? Quand je te le dis. Quand je te le dis. Dans l'autre. Maintenant. Voilà. Nickel. Ah, Fiddle est au top. Là, t'as pas besoin de taper des sbires. Nice, go. Encore. Oh. Encore. Ah mais, j'ai plus de mana. Oh fou, tape. Eh non mais j'ai tous les creeps qui me tapent. Fais-moi confiance. Elle meurt pas. Ah si, elle meurt. Fais-moi confiance, Panda. Alors, il est nul, mon fils. Bien joué. Easy peasy, ma gueule. Par contre, je veux bien que tu m'aides à push, là, en fait. Ah d'accord. Parce que là, du coup, je vais pas pouvoir tout push tout seul. Merci. Alors maintenant, le but du jeu, ça va être que tu continues de taper sans me prendre tous les sbires. Et si possible, je vais essayer dans la style le plus possible. Panda, me prends pas les sbires, s'il te plaît. Back. Mon dieu, ma tension artérielle monte d'un cran à chaque fois que tu fais ça. Ça va être difficile, je le sens mentalement. Ça va bien se passer. Déjà que mon gars, je pétais un câble mentalement cet après-midi, mais genre j'en pouvais plus. Enfin, ouais. Franchement, les viewers qui étaient là sur mon stream perso, j'ai fait nawak, mais genre je chantais, je hurlais en même temps, mais toujours dans la bonne humeur, tu vois, mais ça n'avait aucun sens. Et là, je sens que je suis en train de revenir dans ce même état d'esprit là. Non, le boulet. En fait, le truc, c'est qu'il faut que je joue Fizzbot. Fizzbot, ça passe, tu vois. Alors que Fizzmin, j'y arrive pas. Ah là là. Bon, j'ai pris une pink, du coup. Je la mets dans le cribage. I love you. En tout cas, GG t'es hook, mec. Hein. Merci. C'est très très bien fait. J'ai deux mains. Par contre, je pense qu'au farm, ouais, c'est ce qui me semblait. À 39 CS, je suis à 14. C'est qui t'a mis cette farm? C'est moi. Tu m'écoutes pas en fait. Hein. Moi, je la mets pas où? Pour qu'elle voit en fait le plus loin possible par là. Ah. Allez, quand tu veux, Panda, on peut y retourner. Dès que tu te sens que t'es chaud. Ouais, mais on se laisse taper dessus. D'accord, bon, là, c'est de taper dessus, on recule. Oh le génie! Il a fait proc un targon, le génie! Les mécaniques! Je l'ai! Oh putain la bitch! Oh putain, je l'ai fait proc! Alors n'hésite pas, hein. dès que tu penses que tu peux go, vas-y. Hein. En 5 secondes, je pense que je vais pouvoir. Ouais, alors là, il y a quand même beaucoup de CS. On va attendre qu'ils arrivent sous tour. Parce que c'est pas tout ça, mais faut quand même que je farm à un moment donné. J'ai ma brillance, hein. Vas-y, hein, go. Oh ouais, vas-y, t'es chaud. Oh, j'ai pris midlife un peu quand même. Hein. Recule. Genre, elle a pas marché. Le problème en fait, c'est qu'il nous a out push quoi. Ouais. T'as des potions? Ouais, c'est bon. Le problème, c'est qu'elle va tout sustain. Il faut qu'on attende le 6, je pense. Y'a Mumu qui arrive. J'ai vu. On va voir le 6 soon, hein. Vas-y go mec, go, rentre dans le tas. Oh putain, eh bah bien joué. Oh le génie. Ouh. Oh le génie à Mumu. Nice. Allez, incroyable, on les a défoncés mec. Incroyable. On est des génies. Les génies. On est des génies. Fizz, Thresh, bot, new meta. new meta, tu peux rien faire. Est-ce que tu peux me mettre un fly au milieu des sbires s'il te plaît? Attends juste qu'il s'avance parce que là du coup tu vas prendre un coup de tour. Non, c'est bon. Nickel. Parce que là du coup, enfin, je galère quand même à dépoucher. Après, ah oui, on va quoi.
Nice! Pendant que le Ezreal se fait défoncer au mid. Ah, elle a peu de PV. Pas de chance, pas de chance, pas de chance. Ah, il a franchement le Amumu, il m'a vendu du rêve là sur son flash. Flash autoritaire là. Très très joli. Bon, par contre, le farm, on va vite le regarder. Hein. Non, 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 je vois pas de quoi tu parles d'ailleurs. Ah non, le Amumu, vraiment, il est. Il est génial. Il est génial. Bon, là, il est un peu mort. Quand même, hein. Bah, je suis à 4-0. Hein. Ouais. Bah, dans 15, dans 17 secondes, là, j'ai mon shark. Bah, moi, j'ai mon ulti. Hein. Oh merde, mais il est sur 3ème carreau. 8 secondes. Quand tu veux. Mais je suis pas là. Je te dis quand tu veux. Oh mec! Oh mec, t'es tellement chaud. Elle est morte. Encore. Encore, on veut du sang. Ouais, t'as peut-être pas besoin de flash. Hein. Si, si, passe, regarde. BOOM 6-0. What the fuck? What the fuck? J'avais peut-être pas besoin de flasher là. J'aurais pu faire un peu mieux. Mec, t'es un génie! Seigneurial! Merci. Franchement, je suis impressionné quoi. Franchement, si après la game qu'on a fait tout à l'heure, on m'avait dit, mec, après tu vas jouer Fizzbot et tu vas faire un 6-0 en 10 minutes. Jamais, jamais toute ma vie j'aurais dit non, mais bien sûr. Enfin, j'aurais jamais cru quoi. Par contre, niveau mana, faut reculer. Ah, je vais pas voir le gros. T'as le targon ou pas? Attends, tu vois. Non. Ok, non, ça va. J'ai plus de mana. Incroyable. Bah, j'avoue que le targon de. Tes targons c'était pas ouf au début, mais alors tu t'es complètement rattrapé quoi. Ah, le targon, c'est vraiment un truc que. Avec Thresh. Mais faut que tu prennes le temps. J'ai énormément de mal. T'as juste à regarder l'AD que tu as et le. Comment dire. Et les PV des sbires. Mais après, moi je te conseille de starter au E et pas au Hook. Ça sert à rien le Hook niveau. À part sur une invade. Oh, y'a Zed, ouais. Bon, ils se font shitstorm au mid. Bon, j'ai re le shark. Bon, si on veut pas, je t'ai pas attendu cette fois. Hein. Nice! Bon, ça se fait défoncer partout par contre. Hein. Non, au top, ça se passe bien. Bah, normal, le Z il est au mid. Attends, tue pas la tour, tue pas la tour, tue pas la tour. D'accord. On va. Le Drake, je pense, hein. C'est possible. Tu peux aller dropper une ward au dragon, s'il te plaît. Merci. Ils sont en train de le faire. Ils l'ont ah, fait. Ils l'ont fait, ils l'ont fait. Ouais, de toute façon, là, avec Fizz et Thresh, on peut pas trop le contester sans mon shark. T'as ce qu'on leur a mis, quoi. Good luck à 10 minutes, ouais, c'est ça. Bon, déjà, on a tué. Mais on n'a pas win encore. Hein. J'ai le shark dans 20 secondes. Attends. Okay. Par contre, j'aurais pas l'ignite et Janna son 6. Hein. Y'a Mumu qui vient, on peut dive. Hein. Ouais, mais il vient pas. Ah, il vient pas. Ok, my bad. Ok, j'ai le shark. Go hook. Go hook n'importe qui, on s'en fout. Ok, go. Ok, on recule. Quel. Tu veux pas que j'aille aider les autres parce que là franchement le Az il me fait tellement pitié quoi. Non, moi je joue mid. Moi je joue mid, hein. Moi je suis Az, je joue mid. Comme tu veux, franchement ça m'est égal. Après, le problème c'est que dans le 1v1, Fizz contre Akali, pas spécialement bien quoi. Y'a quoi en face? Bon, j'ai beaucoup de dégâts, je vais partir Zhonya. J'ai l'impression que je lag énormément.
Bah écoute, si tu pouvais laguer comme ça plus souvent, moi ça m'arrangerait. Franchement, je suis à 8-0, non mais. Non, c'est trop beau. En fait, ça dépend, soit je one shot la Ekali, soit elle me tue en fait. Ça va dépendre aussi beaucoup de mon Ignite. Parce qu'elle est quand même à 3-1. Ça a plus de. Enfin, c'est un DPS plus constant en fait, Akali que Fizz. Fizz dans 10 secondes. Enfin, pardon, Fizz dans 10 secondes. D'accord. On va les push. Merde, ok. Dans 2 secondes, tu peux ou quand tu veux. Go la tour, go la tour, go la tour. Elle meurt pas? Je lag énormément. Ok. Intéressant. Il y a peut-être le jungler. Ah non, il le tape. Parfait. Ah, je lag énormément. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Pourtant, je suis à 32 MS. Hein, mais. Alors, je vais la tuer, la Vayne. Bah, par contre, là, j'ai plus de dégâts, j'ai plus de mana. Ah putain, j'aurais pas dû la prendre! J'ai plus de mana! Ah, j'aurais. Ah, la lanterne de la mort. La lanterne de la mort. Ah, oh, mec, retourne-toi. Ouais, je sais, mais. Ah, oh, y'a le TP derrière. Oh, magnifique. Magnifique. T'as la fatigue ou pas? Oh, magnifique, le panda! Le panda est seigneurial! Le panda est seigneurial. Joli mec. Merci. J'étais plein d'autorité. Je vais faire un égide, c'est ça? Oui. Ouais. Alors 0,5 Vayne, 0,5 Janna, qui dit mieux? Mieux. Par contre, je suis dégoûté, j'ai un assist, ça c'est pas normal. Ça se passe mieux, tu vois, quand j'ai les kills. Mais moi, je comprends pas pourquoi j'ai des drops en fait, c'est ouf. Mais tu veux reboot vite fait? Non, 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 c'est bon, mais c'est bizarre. Tu peux dash, ouais, ça serait. Oh là là, mais c'est vraiment une merde, quoi. Ah, j'avoue qu'il est. C'est Ezreal quoi. Il est pas fou quoi. Ah, le Z il me fait trop mal. En fait, le problème c'est que comme j'étais solo lane, enfin j'étais duo lane, pardon, j'ai des niveaux de retard. Et genre, tu vois, le Z il me met deux niveaux. Ah, je. Oh là là, le... oh, c'est mais fou. Reboot mec. Non, non, mais c'est. Je sais pas, c'est mon FAI à mon avis. Hein. C'est pas. Je sais pas, je sais pas trop quoi te dire. Faut que je redécale au bot là. Ah, enfin, faudrait. Ah, dommage. Parce que là. Y'a Mumu, y'a Mumu, y'a Mumu. Et il aura smoke encore? Je pense, ouais. Oh, elle était. Oh, bien. Joli, c'était joli. Le creep qui. Le creep, quoi, genre. Genre The Creep, quoi. Mais non, mais. Je vais catch la Vayne. Wow. Oh merde, oh elle m'a brun. Tu es morte, tu vas mourir. Ouais, fais gaffe, y'a trash. Tu es un animal. Non, c'était un Z là. Ça va, ça va, ça va, j'ai pas besoin de toi, c'est bon, t'inquiète. D'accord. Retourne avec les autres peut-être. Ouais, je vais faire ça. Je vais aller récupérer le farm. En fait, quand un fils commence à tuer les gens sans avoir besoin du shark, c'est qu'il y a un souci dans la matrice. J'ai plus de mana par contre. Ah, d'accord, ok, c'est le serveur qui merde, ça dit visiblement sur le chat. Ouais, parce que là c'est chaud quoi. Moi j'ai pas de problème, hein. Honnêtement. Ah putain, je fais des hooks de merde là. Allez. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Mec, on va peut-être win. J'en reviens pas comment on l'aura pissé dessus quand en face de lane. Il semblerait que nous soyons vus. Allez, on prend la tour, on prend la tour.
En fait, tu m'as vraiment mâché tout le travail en face de l'œil. Hein. Quand j'y repense. Ah merde. Oula, je suis pas bien là. Oula, je suis pas bien. Ou j'étais pas bien. Nice. T'es où toi? Ok. What? C'est de ma faute là, j'ai pas pu faire de dégâts du tout. Ouais, mais j'ai lagué comme un porc aussi. J'ai non, mais j'ai pas du tout capté qu'il y avait un fiddle stick. On a eu le dragon, c'est déjà ça. Ils vont remonter un petit peu, mais. Oh, le Garen qui chute! Bah, j'avoue que le fear plus silence, j'ai pris un peu Bagdad dans ma tête, quoi. Je pense pas que la veine va continuer. Ouais, je m'en doutais. Chienasse! Un chagasse! Bon, on a pris un peu cher sur cette phase de jeu là quand même. Ah ouais. Par contre là j'ai mon niveau 11. Hésite pas, Rome, hein, il va falloir que je rattrape mes retards de niveau. En fait, heureusement qu'on s'est vraiment fini en phase de lane parce que sinon ça aurait été compliqué en termes de niveau. J'aurais mis trop de temps à monter en puissance. Ah, la veine a récupéré un kill, donc ça veut dire qu'elle revaut des golds. C'est la bonne nouvelle! C'est la bonne nouvelle. En fait, c'est pas toi qu'il faut. C'est pas S qu'il faut que je défende, c'est toi quoi. Non, non, bah moi ouais, tu pourras pas me défendre de toute façon, je vais rentrer dans le tas à chaque fois. Ouais, non, mais juste mettre un flair ou. Ah, un il est sur son raid. Celui... faut juste que tu me chopes quelqu'un, tu me chopes une personne et je la tue. Bah, c'est Akali alors que. Non. Merde. J'aime bien me voler des trucs, hein. Faut aller aider à Mimu. Oh. Le tue. C'est un truc What de barge, hein. Il a failli te tuer. Hein. Ouais, bah c'est Z, hein, c'est normal. On peut continuer encore un peu là. Très bien, ça, dommage. Oh là 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 là. Ce réflexe! Ce réflexe! Il a bien joué le fiddle. Hein. J'ai pas pris un tick du petit fiddle. Hop! Putain, je lag trop, c'est ouf. Ce sont les choses qui arrivent, mon ami. Par contre, le fiddle, il fait un gros taf, là. Mais ça va, j'ai mon égide, là. Je vais prendre une... Pink prendre... aussi pour... J'ai pas le shark. Oh, dommage. Oh la vache, les dégâts qu'elle me met, elle. Putain, je lag tellement, je peux rien faire. Bon, là ça va être dur par contre. Si ça joue comme ça. Là c'est de ma faute, là c'est complètement de ma faute. Je m'attendais pas à prendre aussi cher en fait. My bad. I apologize. Oh la Kali, elle a 9-2 quoi. Mais non, t'attends, il y a des gens qui valent le coup sur League of Legends. Il y a beaucoup de gens qui n'en valent pas, mais il y a des gens qui valent le coup. Bien tu... Oh là là. Alors déjà, ce S ne vaut pas le coup. Bah... J'avoue. Très honnêtement, j'avoue qu'il est pas dingue. Ben, le problème, c'est qu'on risque de perdre, quoi. Ah bah oui, non mais... Avec ton fameux 7-0 en premier, quoi, genre... Ah, je suis monté à 10-0, mec. Hein. Ouais, non, mais le problème c'est qu'ils ont trop de niveau d'avance sur le Z, il est niveau 14. Les kills ça fait pas tout, il faut bien compter d'XP aussi, c'est hyper important. Ah ça c'est très bien par contre. Et ils sont peut-être sur la charme, c'est bon. Drake dans une minute. J'ai quoi? Ah puis j'ai très peu de farm. Hein. Et le truc c'est que la Akali elle a de la résistance magique. Et elle a aussi de l'armure et elle va avoir son Zhonya. Dommage, bien tenté. Faut qu'on évite les escarmouches si on n'est pas groupé en fait là. Nice, j'ai tout tué quasiment.
Ah, faut rien lui lâcher, Oez. Honnêtement, un mec comme ça qui refuse de jouer en équipe et qui en plus est nul. Allez tous à la chasse au crapaud. Il manque Garen. Ok, la bonne ward de panda. Je la gratte juste un petit peu. Vas-y, faut qu'on essaie de le one shot. Chope la veine. Moi, je vais juste donner un tap dessus. T'as pas si fort que t'es con comme on est dans le milieu. Par contre, on a pas Ez là. Attention, je fiddle. Je lag trop, je peux pas jouer. Ouais. Je suis désolé, hein. Mais non, c'est pas toi le problème, c'est Ez. Mais tu vois, ça pour moi, ça sert à rien. Ah non, mais mec, c'est bon. Non, non, mais même si c'est vrai, même si t'as raison, ça sert à rien. Le mec, il va s'en battre les couilles complètement. Ça va juste générer de la tension dans l'équipe. Non mais en plus je peux même pas jouer, c'est ça qui m'énerve, c'est genre moi mon jeu il. Et mais lui un Q-spell au moins. Ah bah merci quand même. Ok, la promettre. Non mais je suis d'accord avec toi, c'est super rageant. Et y a rien qui en fait justifie le fait d'être négatif. Non mais on va la gagner, c'est ça le truc, mais genre ouais, c'est... On va essayer, hein. Essayer, c'est pas gagné là, hein. C'est pas gagné, c'est pas gagné, hein. On peut la gagner. On peut toujours la gagner. Non, j'arrête. Je crois qu'il y avait un méchant. On a eu le Drake? Non, ils ont eu le Drake. Ils ont eu le Drake, ouais. Il va falloir que je joue en split push, enfin puis même en split push, le problème c'est... Ils ont tous sur de la résistance magique, on fera plus rien. Ça va être ça le problème. Et ils ont beaucoup de CC pour contre moi malheureusement. Vayne par là. Elle est partie. Fuck. Va au mine avec eux, laisse-moi tout seul. Je pense que je suis peut-être la personne la moins en danger de l'équipe. Ah, ça wave clear tout, quoi. Enfin, ça clear toutes les wards, pardon. Ouh, j'ai complètement raté mon E. Ok, gangbang au top. Je vais essayer de repush. Ah, bah, il va mourir. Ouais, Akali en mid-lane, en fait, est plus forte que Fizz en botlane. Ça c'est incontestable. Faut pas fight, hein, Panda? Non, je fight pas, je prends juste la vision pour savoir si s'ils viennent, quoi. Du, 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 du. Putain, je galère à tuer ce crabe. Est-ce que tu peux mourir s'il te plaît, Jean-Michel? Merci. Voilà, attention, ça va vous arriver de côté. Barrez-vous, reculez. Je vous l'avais dit! Panda! Ah ouais, mais lui il est resté, moi je vais bien. Ah, t'es pas mort toi? Nickel. Ah, moi je vais bien. C'est ce S qui. On a tué Z, mais. Ouais, enfin il a tué Mimu, quoi. Qui est son Zonia Fiddle? Oui. La veine, mec. La veine. Qu'est-ce qu'il reste? Ah, mais ils sont tous en mid. Ils sont tous en... Ils vont push, hein, mec, hein. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je sais, mais je m'en fous, en fait. Ouais. Ça va, toi. C'était... Ouais, je vais essayer juste de leur faire perdre du temps. En fait, c'est le truc qu'on peut faire. Il faut qu'on leur fasse perdre du temps pour arriver à rattraper notre retard. C'était close, hein. J'ai failli mourir contre la veine. Oh la mec. Salope. Ah, mais j'avais pas le choix.
je prenne le train de kill. J'aurais pas. Donc pas grand chose. Bah en fait si je bougeais j'étais mort, donc autant rester immobile jusqu'au bout. Ah peut-être si tu avais été là. Ouais c'est possible. Mais je me suis dit après s'il y a recours, enfin il y avait pas de bonne solution à mon avis. Mais si, stream Panda, il est super cool comme type effectivement. Ouais, mais là oh. Je lag sur le serveur. Lag. Mais et je pense que ça va être une défaite annulée. Hein. Je sais pas. Je sais pas trop. Mais c'est quand même, on a quand même pas de chance au niveau du matchmaking, je trouve. On a, franchement, la Mumu joue bien. Enfin, il a fait des très beaux moves en bot lane. Le Garen n'a pas l'air mauvais. Bon, après, ça reste un Garen. Hein. C'est dur de faire la différence entre un bon Garen et un mauvais Garen. Par contre, faut pas engager quand je suis pas là, les gars. C'est moi qui ai tous les kills de l'équipe. J'ai plus de la moitié des kills de l'équipe. Hein. Donc sans moi, en fait, on a rien. Là, on peut y aller. J'ai pas de hook. La Chine, voilà. Merde. Voilà, pff, je me fais un sens. Je peux pas jouer. Non, c'est... mais... Je peux vraiment... C'est du 4v5, là. Non, mais on a... Le problème, c'est qu'on a trop de dégâts AP. On a beaucoup trop de dégâts AP. Et ils ont le fier de Fiddle en fait m'empêche, enfin ça leur laisse 2 secondes et demie pour me tuer, et ce qui est plus que suffisant. On se fait ace en 4v5. Ouais. Bon bah c'est pas faute d'avoir tenté de faire les trucs hein, honnêtement. Ouais, les gens disent visiblement que West est en train de mourir. Bah franchement ça se tentait un langage de d'Amumu hein, mais... Oh regarde les dégâts qu'il met quoi. Avec un demi-drain. Complicado. Mais le mental est toujours présent. On n'abandonne pas facilement chez O-Gaming. Même lorsqu'on se fait complètement défoncer la tête. La veine elle a fait QSS quoi. What? Je lag vraiment, c'est ouf. Oh, incroyable. Allez, tente un move là. Tente un tout. Bah ouais, mais je veux bien, mais. Voilà. Ah, j'ai pas les dégâts. Non, mais ils ont combien de Zonia sérieux dans ce team? Le shutdown à 500 boules, c'est pour Bibi. Amu fait des très très bons engages. Hein. Enfin, il a pu y aller parce que j'ai slow le Fiddle. Hein. Ah ouais? Mais t'as pas touché au hook toi? Si? Non, j'ai pas touché, mais je l'ai pas slow flair, j'ai slow à la fatigue. Ah d'accord. Mais en fait, Panda, j'étais trop mis en avant déjà sur ce stream. Je trouvais que t'étais déjà trop fort, donc je me suis dit si je te refais des compliments. On va pas s'en sortir, tu vois. Ça, je voulais dire que c'était le Amu qui avait géré. Bon. La capacité de dépouche de Fizz, bonjour. Il y en a pas, tout simplement. C'est un des gros problèmes du perso d'ailleurs. Je sais pas ce qui est le plus dingue, qu'on arrive à faire un 10-0 en phase de lane avec Fizz Thresh ou arriver à perdre avec un Fizz à 10-0. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. Panda, t'es au fond du saut là. Ouais, je suis en même fond du saut là. Mais mes yeux sont en train de briller de douleur. Ah, est-ce que les viewers peuvent boire tes larmes ou pas? Ouais, carrément. Avec ce que j'ai bu hier, oui. Bon à savoir. Alors, en fait, le problème de Fizz, c'est que le E là, alors, ça les push, le CD est assez long. Et quand il y a des méga sbires, c'est un peu compliqué. Tout simplement. Eh, vous êtes tendu sur le chat ce soir, hein, c'est un truc de ouf. Non mais j'ai pas le... Ah, sur le chat. Ah ouais, non, sur le chat, chat lol. Oh, le brin. Non mais mec, je... Genre là, je viens de voir qu'il vient juste de... Hop.
Ok, les serveurs sont down. Ah mais les serveurs sont down, j'espère que c'est une défaite annulée hein, carrément parce que well là, played. Là je vais voir l'ignorer, je vais lui faire non ça va pas là. Bon je suis content, on a fait quand même une bonne game. On la perd, c'est pas de notre faute. Ouais. Enfin on aurait pu faire mieux mais on est, comment dire. En gros qu'est-ce qu'on va faire? Genre là je vais prendre le stream, il y a plus de serveurs c'est ça en fait? Je sais pas du tout. J'espère qu'elle a annulé la défaite. Je sais pas, on va voir. Bah, enfin, de toute façon, ça arrivera à tout le monde. Et c'est déjà arrivé à plein de gens, ce genre de game où bah t'es complètement en file en face de lane et tu perds. Bah, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Le truc, c'est que peut-être j'aurais dû faire Zonia plus vite. J'aurais peut-être dû pêcher un peu moins par orgueil, dans le sens à me dire je peux y aller YOLO en mode 1v5. Ouais. Et bah, après, je suis mort combien de fois? Je suis mort 7 fois? 6 fois? Je sais plus. Donc ça par contre je peux pas te la compter cette truc parce que cette défaite parce que enfin j'avoue Mahou je vais mettre un Peggy 18 sur mon stream. Ça fait toujours autant plaisir tu vois de te dire voilà je vais stream, on va passer un bon moment, on va discuter, et tu regardes le chat et tu prends shitstorm. C'est toujours sympa, j'aime bien. Imagine Z ult fizz, imaginez au moment où la marque de Zproc Fizz est invisible via son E. Non, la marque ne met pas de dommage. Le E dodge tous les dégâts. C'est comme un Zonia. Ok, donc connection, erreur. Très bien. Ok. Ouais. Erreur de connexion. Bon. Bah, moi, ce que je vais proposer aux gens pour le stream, ça va être du Craft the World, j'ai l'impression. Je sais pas si vous allez kiffer, mais en attendant LOL, je peux vous proposer que ça. Ouais. Je peux pas changer le nom du stream. Ah ouais, on a vraiment perdu, c'est pas une défaite annulée. Hein. Sérieux? Ah ouais, c'est vraie défaite. Hein. Comment tu fais pour le voir? Moi je peux pas le voir. Moi je suis dessus, mais. J'ai une défaite annulée. Hein. J'ai une défaite. D'accord, intéressant. Bon bah du coup, moi je vais m'arrêter là. Je vais te laisser dépatouiller avec tout ça, mon cher panda. Ouais. On se retrouve quand? C'est une bonne question, faut que je regarde le planning. Mais quel jour? On est le 11. Le 11. Donc du coup, bah demain 14h. Donc voilà, donc demain 14h, messieurs dames, si vous avez envie de me rejoindre, n'hésitez pas à vous connecter sur le Twitch de Gaming. Vous pouvez également nous soutenir si vous le désirez en désabonnant, n'importe quoi, en vous abonnant ou en désactivant Adblock sur la page Twitch de Gaming. Ce sera tout pour moi, je vous souhaite à tous une bonne soirée, des bisous, c'était un plaisir. Ciao, bye bye.